qui position famille ou dans business manzé ou en un produit un restaurant ou un snack et qu'on envie faire un peu marketing pour gagner plus visibilité, pena problème. Nous l'équipe production en a 10 ce qui ont besoin pour faire promotion pour ou business et que nous pour aussi faire la langue applaudir. Nous avons plusieurs techniques et packages pour toute famille. Call ou WhatsApp nous le 5 250 90 08. 5 250 90 08. Qui position famille, moi j'espère que vous êtes bien, vous êtes correct, vous êtes sérieux. Bienvenue dans notre 6e épisode Anti-Dialogue. Et que, désolé pour ça tirer tard là, nous n'avons qu'ils ont tiré tard à cause de petits problèmes techniques, mais nous finis redresse partout, recette partout. Maintenant, le plus grand plaisir aujourd'hui pour mettre Anti-Dialogue avec un grand monsieur. Un monsieur qui nous fait un grand parcours professionnel. Et que aujourd'hui, nous prenons l'occasion de vous avec M. Omougam Pawsouramen. M. Omougam Pawsouramen, bonsoir et merci d'accepter nos invitations. Merci Kevin, je suis bien content qu'ils pensent moi pour faire cette émission là ensemble. Mm-hmm. Et comme il concerne Mauricien, right? Et ça vraiment, il y a quelque chose qui m'a bien croire là-dedans. Mm-hmm. Et moi toujours là pour promouvoir la culture mauricienne. Et donc, il tombe très bien, il est dans la ligne bien, et de ce qui est de ma vision même de l'humoriste. Ou d'idéologie. Absolument. Donc, M. Pawsouramen, je vous dire à qui, ça, l'émission-là, c'est une initiative de La Case Mama. La Case Mama, c'est un compagnon qui prend naissance dans l'Australie. Et maintenant, pareil, cette idéologie, c'est Mauricien avant tout. Yeah. Donc, qui fait un Mauricien avant tout et qui fait ça, l'émission-là? Nous avons envie de rendre un hommage à Bandimoun qui nous contribue massivement dans nos sociétés, dans tout secteur. Et moi, j'ai le plus grand honneur pour dire qui vous parmi nous m'a invité pour ça, l'émission-là, pour nous capables de porter ça avec la grande famille qui peut suivre nous, pour dire à la grande famille de la diaspora, même à mon jeune qui peut guetter nous, M. Pawsouramen qui ne sont pas au cours. Donc, ou excuse-moi, pas un moment où vous êtes dans mon portable. Tout moment de questions là-dedans, pas pareil comme avant, nous avons un petit papier, mais c'est un peu là, leader portable avec la technologie. Donc, est-ce qu'il y a un problème le son là? Tout OK? Tout OK? Allez, right. Donc, vous pensez tout OK là, famille. Donc, M. Pawsouramen, il naît en 15 juin. 30 juin 1951. Où le fondateur de et président de Global Rainbow Foundation, ou un ex-ministre de l'éducation, oui, senior advisor la Banque mondiale, oui, directeur UNESCO, Paris, Sénégal, l'Inde, dans les années 98 à 2011. Oui, exact. Et honorary doctorate by the governor of Tamil Nadu. Oui. C'est un grand honneur. Merci. Un grand honneur, un grand plaisir pour me porter à ce petit dialogue-là avec vous. On prend naissance à Cap Malheureux. Oui. Ou maman Roukou et papa
Vella, oui. Sorti d'une famille de 11 enfants, oui. Si on va tromper. Raconte-nous l'enfance, M. Pastor-Amen. D'accord. En tout cas, Kevin, moi bien content, moi avec Zot. Et moi, vous causez avec vous avec à cœur ouvert aujourd'hui. Ouais. Mm-hmm. Alors, pourquoi l'émission est dans sa direction là? Tout à fait. Alors, donc, d'abord, moi, je veux dire que moi, l'enfance même, mon né le 30 juin 1951. Mm-hmm. Et je suis content que le 30 juin ou date naissance également. Exact. Et à Cap-Malheureux, dans un village, hein, dans le nord du pays, comme vous connaissez. Et je suis né dans la cale de la paille, et en bas maçonné, avec bûche de vase. Et voilà ma naissance, comment elle a commencé. Et je vous ai dit que finalement, je suis dans une famille de 11 enfants. Et maman est mariée très jeune, donc voilà, 13, 14 ans, elle est mariée. Et ensuite, et maman, elle n'est pas allée à l'école du tout. À l'époque, là, on connaît une fille, pas type gagner l'occasion à l'école. Mm-hmm. Alors, elle n'est pas allée à l'école. Et papa, il fait 3 ans primaire. Et voilà, background, si vous voulez, mon naissance. Et après ça, elle a pris un parcours qui poursuivre après. Mm-hmm. Et donc, elle m'a bien. Je suis bien fier de mes racines, je suis bien fier de mon nez, de mon grandi, Cap Malheureux. Et c'est un endroit qui m'a toujours marqué moi et qui m'a toujours, si vous voulez, associé avec les villages dans beaucoup d'initiatives. Mm-hmm. Alors voilà un petit peu mon début dans mon enfance, dans mon vie. Mm-hmm. Et si vous voulez, vous pouvez avoir plusieurs questions, vos pensées, ouais, pour nous connaître ça au cours là, éventuellement. Nous pouvons aussi avoir des questions qui peuvent venir depuis nous, ma famille. Je rappelle tout, ma followers, famille, parce qu'ils me mettent un seul nom avec eux, c'est famille. Nous tous une seule famille. La grande famille mauricienne, peut-être. La diaspora. Diaspora. Partout, hein? Donc famille. Une des affaires qui est née dans la case à paille, maçonnée avec, comment nous dire, Cacavas. Et malgré ça, ou l'envie d'apprendre. Qui fait qu'on a ça l'envie d'apprendre malgré 11 enfants, la misère, ou fait un effort pour apprendre. Qui fait? Je veux dire que mes parents, papa et maman aussi, mm-hmm. finissent toujours inculqués dans nous, mm-hmm. que l'éducation est bien, bien importante pour nous, pour capable faire un parcours. Mm-hmm. Et ils finissent nous un livre sacré aussi. Papa mm-hmm. a habitué dire un livre sacré, mm-hmm. comme un Tirukural, comme un Gita. Right. Il est content de dire ce livre-là et à partir de là, il donne nous des conseils, il guide nous. Oui. Et il nous fait tous ces bons enfants, l'éducation. Right. Et donc, moi, je me réalisais moi-même dès l'enfance que l'éducation, ça même qui a fait nous sortir de nos misères et réussir dans la vie. Mm-hmm. Right. Et donc, je me prends comme une conviction, une la foi pour capable faire mon parcours. Finir dans ma difficulté, sans doute. Certainement. Il n'est pas évident. Mm-hmm. À partir de là pour faire un parcours pareil. Mais je suis obligé de dire une constance. D'abord, mon maman qui est à l'école, c'est mon Shakti. La force. C'est lui qui me donne moi tout courage et il fait la prière pour moi. Et ça, c'est un autre point que je suis obligé de dire. Et il y a une autre chose qui me guide mon vie tout au long, dès mon enfance, c'est la foi en Dieu. Papa, maman, il a inculqué ça dans moi. Mm-hmm. Alors, on va dire fondation là bien solide là. Vous comprenez, quand on a sa confiance totale là, mm-hmm. fondation là, il est pour bizarre, mais nous, pour aller. Oui. Vous sentez que ma dienne, la main invisible, permet nous doucement, doucement, mm-hmm. puis monter, puis arriver, quand on arrive après. Alors voilà un petit peu comment ça a commencé. Et nous faisons nos recherches, bien sûr, avant nos vignes coteaux, nous faisons nos homework, comment nous dire. Nous faisons l'étude dans le collège Friendship. Oui, d'abord l'école primaire Cap-Malheureux. Cap-Malheureux. Et quand on finit Cap-Malheureux, c'était en 62 que j'ai fini, 57-62 que j'ai fait l'école Cap Malheureux. Mm-hmm. Et pour moi, le collège principal est là, 63-67. Mm-hmm. Et il est là, on continue sa parcours là, quand même enseignant. Non, pas encore. Mm-hmm. Là, j'ai fini faire Friendship College. Oui. Et là, j'ai fait un break de 3-4 mois. Mm-hmm. Papa, le fait qu'il n'y a pas de moyen, je n'ai pas signé. Yes. C'est à l'époque que je signé quand j'ai un travail dans le collège, mm-hmm. comme enseignant. Mm-hmm. Il y a même moi qui était dans le collège, je tout refuse, moi pas capable de travailler pour moi. Et okay. pour moi, c'était un blessing. Mm-hmm. Quand il arrive avril,
je n'ai pas de travail. Là, je décide pour le bijouari, pour le faire HSI. Ok. Alors voilà comment je fais moi HSI bijouari. Vous comprenez? Et à partir de HSI terminé bijouari, là, je rentre dans la professeur. C'est-à-dire, ou enseigner au collège bijouari même? Non, non, friendship. Friendship Goodlands. Ok. Et ou enseigne mathématiques? Mathématiques, oui. Ok. Par la suite, bien sûr, on évoluait au niveau social aussi. Oui. Donc en 1978, on est président Village Council. Voilà, oui. Oui, mais. Alors, oui. Comme on termine. Peut-être moi, je vais parler un petit peu vite oui, d'après. Mais nous, nous une chronologie. Exactement. Alors, comme on termine HSI, comme on finit faire HSI, je retourne au collège, je travaille. Right? On travaille quelques années. Ensuite, je rentre dans CEB pour 2 ans. Mm-hmm. Et là, il y a une opportunité, une autre opportunité paraître. L'Université Maurice P. lance un cours BA Honors Administration. Okay. Et ça m'intéresse, moi. Et là, mon apply, mon gain admission. Là, mon commence mon parcours universitaire. 74, 77. Ok. Et quand mon terminé, mon retourne dans l'enseignement, Collège Friendship Girls à Goodlands. Quand mon commence à enseigner, jusqu'à 78, comment on peut dire. Oui. 78, mon lancement dans Village Council. Mais avant Village Council, moi, je suis toujours dans les sociales. Dans mon village à Cap-Maléré, il y a un temple, il y a une association. Je suis actif avec mon papa, avec des autres grands du monde dans l'endroit. Je donne un coup de main là-bas. Mais en 78, je décide que, et tout ça finit fini, par ma conviction qui m'en a, par l'expérience que je vis dans mon enfance. Vous comprenez? Par exemple, c'est à l'époque-là, parce qu'il y a de l'eau dans la cour. Ou bien, c'est de l'eau dans le robinet public. La fontaine. La fontaine. Alors nous avons marcé, quand nous restons là, marcé un bon bout à la fontaine, nous l'amène de l'eau, vient la case. On plus tout que nous la case. On plus tout que vient la case, vous comprenez? Alors donc ça, et ça vient avec moi. Deuxièmement, la situation de la population même, la misère, etc. Alors donc, comment on finit l'université, on gagne inspiration. Que Village Council, c'est un moyen pour nous faire travailler au niveau village. On monte une équipe, 9 candidats, moi-même leader du groupe. Et nous présentons nous-mêmes dans l'élection villageoise 78 et nous gagnons 9-0. Okay. Et ça, c'était le début d'une longue carrière politique après. Exactement, mon bouvin là, oui, éventuellement. Oui. Et ce que je suis content de dire, pour moi, ça parcours là, il finit de donner moi grassroots connection. On va dire, on sortit de là, et après là, on connaît toute l'expérience, tout ça, et tout ça là, il fashion. Mon philosophie de la vie. De sécurité aujourd'hui. Absolument. Et mon mission dans la vie aussi. Parce que je vis avec ce monde, je connais de souffrance et toute la décision que je prends après, je base sur mon connaissance de sa situation. Nous retournons un petit peu en arrière, parce que c'est à l'époque que je parle que c'est là, où tu peut-être peux faire collège. En 1968, étant nous gagnons l'indépendance, M. Amougan, pour soi-même, qu'est-ce que tu étais, qui au sentiment, qui au perception à l'époque-là? C'est un moment très très fort dans nos pays, pour nos pays et pour moi personnellement. Moi, j'ai 17 ans là. Et moi, tu peux faire HSI Bidjouari. D'accord. Right? L'année 68, moi, j'ai fait HSI Bidjouari. Et donc, quand nous venons dans un pays indépendant, il donne toute une autre dignité, l'espoir, une autre motivation. Alors, pour moi, c'était l'année qui te marque moi beaucoup. Mais il donne moi une confiance aussi dans nos pays. Et fin mettre dans inculquer dans moi qui nous pouvait nous tout travail pour l'avenir du pays. Et voilà comment ça fin. Donc on fin tout sa transition sorti depuis une colonie pour venir un pays indépendant. Et que vous pensez moi, juste après l'indépendance, est-ce que tu gagnes ce sentiment de freedom là? Ou qu'on ait fait gain l'indépendance et là on pouvait saluer. Sœur Susagar Amgoula, mais tout bon leader politique qui n'a pas mis associé, moi associé de tout, et pour capable gagner sa travail pour nous gagner l'indépendance. Finalement, un combat pour gagner ça. Mais on réussit à maintenir l'indépendance dans la paix, et ça, c'est une grande petite chose. Et pour Maurice, ça finit mettre Maurice le corps du monde. Vous comprenez? Et tout de suite après, nous venons dans ma différentes organisations. Mais là, je vais encore une fois saluer Sœur Susagar Amgoula pour sa vision, pour ce travail, pour qu'il nous faire Maurice rayonner pendant
À partir de là, hein, dans le monde entier. Dans le monde entier. Et que là, nous retournons quand nous sommes arrivés, dans l'autre chronologie, en 1978, on rentre enfin, plus dans social ou élu comme président. Oui, Village Council. Village Council. Oui. Et par la suite, on commence sa carrière politique là, à partir où l'endroit, au village, et en 1982, où élu parlementaire. Oui, mais je suis content d'ajouter un petit épisode sûr, Village bien Council. Sûr, bien sûr. Quand vous faites campagne Village Council, vous connaissez qui symbole mon service pour l'élection? Non. Mon parti, nous nous servons symbole robinet. Robinet. Qui fait parce qu'il participait à gagner de l'eau à l'époque-là. OK. Alors, le maître robinet nous dit nous avons fait du monde gagner de l'eau dans nos endroits. Effectivement, quand nous venons dans Village Council et ensuite District Council, nous nous récifions un mouvement pour nous capables de faire de l'eau, venir dans la cour ben du monde, au lieu qu'il nous besoin de cesse de l'eau dans la fontaine publique. Vous pensez, oui, il y a beaucoup de souvenirs qui sont attachés avec cet événement-là, qui build the de Armougam Post Women aujourd'hui. Absolument. Hein. Mm-hmm. L'enfance, il façonne moi, il guide moi, et il inspire moi dans tout ce que je fais après. Et je veux dire, oui, M. Armougam, qui ça entretient là, il y a un entretien très casual, il n'a rien à voir avec une interview traditionnelle. Là, nous pouvons parler un peu plus en large de parcours, que nous pouvons dans les temps, un maximum les temps pour nous capables de causer. Donc, les bons pour moi-même et pour l'audience, pour la grande famille, pour découvrir ça. Nous peinons un time frame pour respecter parce qu'il nous vraiment libre pour nous causer. Et pour moi, ça peut faire un grand plaisir pour connaître encore plus le haut parce que, bon, j'ai besoin de dire que mon enfance, surtout l'état de moi, je primaire, mon père sous ou ministership. Donc là, je viens direct, là, ça parcours parlementaire là. Une fin, vin un ministre de l'éducation à partir de 1983. Hein, raconte-nous ça. D'abord, quand on finit faire Village Council, je viens président District Council. Yes. Là, je finis président District Council l'année 79. Là, on rentre dans PSM, nous créons PSM. PSM, yes. Nous fondons PSM. Mm-hmm. Un membre fondateur avec Aris Boudou, Radha Gangusing et Roy Bidessi. Right? Mm-hmm. Un fondateur avec les autres collègues qui nous joignent ensemble. Et ça aussi, je veux dire une anecdote. Là, quand on peut décider pour le lancement dans le mouvement Aris Boudou, contestation et PSM, mon papa dit moi comme ça. Mais qui fait appel d'un nouveau parti, là, il y a un parti existant, qui fait pas rentrer dans une là-dedans. Vous dites non, moi j'ai une vision, et moi besoin de dire qui ça déclic qui me fait moi jouer dans ce parti-là. C'est à l'époque-là, Aris Boudou, tu peux dire, une spiritualisation de la politique. Étant croyant moi-même, c'est un clic dans moi. Si nous avons spiritualisé la politique, c'est une affaire noble. Vous comprenez? Et ça, c'est un autre facteur qui me guide moi tout au long de mon parcours, hein, qui nous connaît. Quand vous êtes un politicien ou élu comme un député, c'est une affaire sacrée. La population, une vote pour servir eux. Une panne vote pour servir eux-mêmes. Tout à fait. Vous comprenez? Et c'est ça qui moule un peu mon façon de faire. Et donc, après mon élection en 82, pour la première fois comme député, et 9 mois après que je suis ministre, l'éducation et art et culture. Je veux dire aussi que tu es supposé nommer ministre en 82 comme membre fondateur PSM. Mais dans la politique, on a différents coups. Hein. Tu comprends? Ben là, fin fait un coup, monté, et je n'ai pas gagné ministère. Là, dans le Parlement, je suis un public accounts committee. Mais en 83, avec l'éclatement en coalition, là, je suis ministre de l'éducation. Je veux dire qu'en 82, je suis supposé, moi, ministre. Local government. Ok. Mais vous trouvez, comme vous avez un coup, look back, c'est une blessing in disguise. De 90, quand vous n'avez pas un ministère, c'est dur pour comprendre ça ou comprendre. Mais, bon Dieu, là, je crois, quand on revient encore la foi, bon Dieu, dans mon avis, constamment, les films, il y a une main invisible qui amène moi, que mon bizarre. Omniprésent, mon avis. Omniprésent, et aussi, mon besoin de dire que, là, je fais l'expérience avec l'année maintenant, je vous dis que bon Dieu, il vous donne ce qui est besoin de nous.
pas quand ou bizin, il pense, il connaît quand pour de nous. Vous comprenez, 90 de moi, ministre, tu es ministre local gouvernement. Ouais. Je vais gagner le ministère, je fais un autre travail. Mm-hmm. 83 avec éclatement coalition, Sanoud Jagnat. Sans que je n'ai pas pour qui ministère, lui-même donne-moi le ministère de l'éducation. Okay. Alors, je gagne l'éducation, art et culture. Un peu dans le domaine là. Right? On fait 8 ans dans ce ministère là, et je me dis que marque beaucoup d'affaires dans le pays. Et ça fin permet moi aussi de marquer. Un symbole de nos pays, c'est Nation Arc-en-Ciel. Vous pouvez élaborer un petit peu plus sur là. Nation Arc-en-Ciel, d'abord, vous trouvez vos chemises là. Je trouve vos chemises Arc-en-Ciel, exact. Vos chemises Arc-en-Ciel. Et je suis bien, bien content de l'Arc-en-Ciel. L'Arc-en-Ciel, pour moi, il y a plusieurs interprétations. Je vais faire recherche sur l'Arc-en-Ciel. L'Arc-en-Ciel, je vais dire où, il y a beaucoup de symboles de divinité dans beaucoup de religions. Right? Et en même temps, mon image de l'arc-en-ciel, ça a une façon de voir, mais moi, mon image de l'arc-en-ciel, c'est qu'il pourrait être l'arc-en-ciel authentique. Ou besoin de nourrir, nurture, tout bonne couleur qui est là. Vous comprenez? Dans cette couleur, il y a besoin de nurture. Si il y a une couleur pâlie, ou pas prendre un arc-en-ciel authentique. Vous comprenez? Pareil que moi, sur le bouquet fleur, un bouquet de cette couleur fleur, mais si il y a une fleur là, il y a une flétrie là-dedans. Les quatre bouquets là. Tout à fait. Alors, c'est ça qui m'a. Ma vision politique, c'était nous bien assurer que toutes les composantes de nos sociétés mauriciennes, toutes les couleurs de la nation arc-en-ciel, nous bien nourrir, nurturer, pour dire que c'est intact, authentique, et là, nous avons un bon arc-en-ciel pour nos pays. Vous comprenez sa philosophie là, comment il est profond. Et deuxièmement, l'autre condition, si une couleur est sortie de l'arc-en-ciel, nous pourrions six couleurs, nous n'est plus arc-en-ciel. Tout à fait. Alors, qui veut dire nous tout besoin côte à côte dans sa situation dans nos pays, reste côte à côte en solidarité, l'unité dans la diversité, et ça côte à côte comme l'arc-en-ciel là, c'est un petit symbole de l'unité nationale qui est bien bien important pour nos pays et qui finit nous gagne. Je me rappelle quand j'étais ministre dans l'année 85, un secrétaire général de l'OUA à Ville-Maurice. Lui dire Mauritius deserves the Oscar of peaceful coexistence. Donc, c'est ce qu'on a fait après nous là. Au niveau mondial, au niveau des Nations Unies, partout, je prends Maurice comme un exemple de la paix, de coexistence pacifique. Quand nous étions un peu qui va passer dans le monde après. Alors, donc, pour moi, ce symbole-là est bien, bien fort. Et nous devons consolider Godly. Soignez-les bien pour que nous toujours rayonnions comme un pays arc-en-ciel, où on a la paix et l'harmonie. Parce que c'est nous à tout ça. Qui fait tourisme venir contre nous? Tout à fait, tout à fait. Vous comprenez? Qui fait pas de bande de notre pays, dans beaucoup de pays, nous pays, ils sont contents de venir. Même Covid, là, on a des touristes. Mais reprend. Right? Qui fait parce que Maurice, il a sa perception qui dit qu'on connaît le Maurice, c'est un pays pacifique, un pays où tout le monde a différentes cultures. Une communauté vit ensemble. Et ça, c'est une valeur qu'il ne faudrait pas nous perdre. Ça. Mais là, je viens un peu plus direct, M. Omgom. Qui constate au fait de sa situation là, aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux dire que je suis un peu triste, je suis bien triste, et parce que mon corps ne pas consolider. Ne pas nourrir sa vision qui m'a dit là, sa couleur, respecter sa composante, et la méritocratie. Vous comprenez? Et quand vous méritez de gagner ce travail, pas être par les autres couleurs, pas faire népotisme, pas faire corruption. Ce pays-là, un pays béni, ça. Mark Twain, tu dis, God made Mauritius first and paradise was copied after. Yes. Bon, il y a une citation qui nous connaît, mais ce pays-là, sur la force, c'est la foi, sa population. Toutes les communautés à Maurice croyant, non. Et je toujours dans la prière. On connaît, nous, au début de l'année, nous commençons avec la prière. Avant la prière qui vient, Kavadi en premier, deuxième vient Mahashivaratri, ensuite on gagne Ramadan, on gagne Karem, on gagne toutes les différentes religions, constant, tout au long de l'année, dans plusieurs manières. Exactement. Spirituel. Mais tout ça, c'est la prière qui nous tout fait là. Mais les besoins, blesse nos pays. Exactement. Et bon Dieu, donne-nous bénédiction là. Manifesté au niveau. Mais malheureusement, mon besoin dire,
dans bien des cas, la politique fin gassentipé, ça symbole là. Right? Quand vous avez dit la tension, right? Finalement, dans les passés aussi. Mais nous faisons un travail bien calculé. Je vais dire moi-même comme ministre, avec Jean-Éric Diagnat, par exemple, comme ministre qu'il tire, c'est de mettre une fondation qui pour préserve la culture mauricienne dans sa diversité. Tout à fait. Qui m'a fait en 80, dès 85, je commence une vision pour dire que nous avons un pilier de nos cultures dans nos pays. Nous avons une bonne institution, mais moi, je dis non, nous avons un pays où nous avons une racine, je cause que l'aine, je négocie l'aine, créer, accepter, poser, créer Indira Gandhi Cultural Center. Ça, c'est mon initiative et en tant que ministre à l'époque. Je cause le gouvernement chinois, parce qu'il y a une population chinoise, moi, le négocier, je crée le premier centre culturel chinois en dehors là. En dehors de la Chine, dans Maurice. Ça, deuxième, l'empreinte qui m'a quitté. Troisième, comment vous dire, où tout mon conviction dans la diversité. Moi, je visite Sénégal en mission. Et Sénégal, c'est là où on a la maison des esclaves, l'île de Gorée. Quand beaucoup de population d'origine africaine, ils sont sortis là-bas comme esclaves de Maurice. Alors, qui m'a fait, moi, lance l'initiative Centre culturel africain qu'ils ont dit Vincent Nelson Mandela. Right? Ça pour mettre une racine solide de la culture africaine, indienne, chinoise, africaine et côté islamique. Mon lance l'initiative créer Islamic Cultural Center. C'est moi qui lance cette initiative là, sans doute avec les blessings du gouvernement. Mais mon vision est bien claire. Mon mettre ça quatre piliers là. Vous comprenez? Et cinquième aussi, le conservatoire de musique, c'est mon création. Je suis un rêve pour dire, je connais mon visite, je connais quand je suis dans la mission, mon mission toujours, il me donne une nouvelle idée. Et aussi une façon pour capable faire les réussir. Je négocie avec la France, d'abord, pour me gagner directeur conservatoire, Vin Maurice, pour aider nous mettre ça en place. Et me gagner. Là, nous construire ce conservatoire-là, et le fait la France me donne un grand coup de main, me propose, moi, donne nos conservatoire-là, François Mitterrand. Et vous connaissez, c'est moi et Mme François Mitterrand qui inaugure ce conservatoire-là en l'année 93, quand il y a le sommet de la francophonie. Et vous pouvez dire conservatoire, mais vous pouvez dire ça avec mon madame qui nous pense pour avoir nos enfants au conservatoire François Mitterrand pour apprendre la musique. Absolument, et, oui. Et comme vous trouvez, Dimoun qui derrière tout ça là, ça fait moi un grand honneur. Et que M. Borsoumane, vous avez dit à vous qui. Et bon, pour bon, ouais, yeah. Culture, vous commandez de nous une idée, l'Alliance française, par exemple. Yes. Les parties de côté étaient là, aujourd'hui, là. Belle Village. Yes. C'est dans mon initiative, quand on a une cause avec l'Alliance française, là, nous donnons une autre place dans Belle Village, et nous associons, et je construis une Alliance française. Donc, on complète tout une culture. Oui, me trouver à Belle Village, il y en a. Oui, il y en a tout ça. Yeah. Et même British Council, vous avez dit, d'un moment donné, Nous perdons le British Council. Vous connaissez, le bureau est fermé. Ça, nous avons négocié moi-même avec le Premier ministre. Nous avons négocié beaucoup. Et nous avons gagné le British Council back to Mauritius. Vous comprenez, on a envie que les racines, la fondation de la culture mauricienne, dans sa diversité, est bien respectée. Et ça, c'est un volet qui est important. L'autre volet qui m'a contribué également, c'est au niveau langue. Tout pas une langue qui nous est dans la Maurice. Vous connaissez combien de langues nous enseignons dans l'école? Anglais, français obligatoire, comme vous connaissez. Tout à fait. Et dans Hindi, Urdu, Tamil, Telugu, Marathi, Gujarati. Et dans Islam, Arabique, Mandarin. Urdu, Mandarin. Et maintenant, il y a Créole et Bhojpuri. Right? Vous avez cette quantité de langues qui nous enseignons dans nos pays-là. Et nous contribuons beaucoup pour faire cette langue-là, sortir du primaire, pour généraliser dans le secondaire. Et après, au niveau tertiaire, l'université. Zodi, ou capable de faire un degré en tamil dans Maurice, dans Telugu, dans Marathi, dans les autres langues hindi, vous comprenez? Et ça, c'est. Ça va être l'assise là, comment dire, ils mettent béton, l'eau, nos fondations culturelles. Personne pas pour qu'on vienne tout ça devant, parce qu'ils nous croient fermement, nous, qui l'unité pour faire dans la diversité. Right? C'est pas dans. Dans une seule, nous faire tout une seule, il n'est pas pour marcher ça. Vous comprenez?
bon Dieu nous crée nous dans la diversité. Pas vrai? Tout à fait. Alors, nous devons préserver cette diversité-là. Et pour moi, diversité a besoin de la force pour amener l'harmonie, amener la paix dans nos pays. Un parcours exemplaire, exceptionnel, qui m'a gagné vraiment beaucoup. Enfin, c'est un grand honneur. Pour moi, je consomme tout ça, information là avec vous, parce que ça fait partie de l'histoire et qui pourrait se graver pour ma génération future. Et maintenant, une prochaine question. Mais avant qu'il nous aborde ma question là, j'ai besoin de dire que tout ce qui nous fait dire moi là, l'aligner avec l'idéologie de la case maman aussi. Oui. Parce que la case maman, ce tagline, le tagline qui la case maman fait servir, Mauricien avant tout. Et quand on peut dire tout ce qui vous peut dire moi là, me trouve. Me trouve qui la case maman et ou vision qui vous tient depuis tout ça les temps là, les cohérents, les morts ensemble. Et là, je viens avec ma prochaine question, M. Amougom. Depuis où l'époque, comment ministre d'éducation, art et culture, et à ce là, quelle analyse vous faites de notre système d'éducation actuel? Vous connaissez, moi, depuis mon parcours, je fin con l'éducation, surtout dans ma institution, qui le public allait. Moi, pas dans l'école privée, moi. Moi, je suis dans l'école qui appelle collège secondaire privé, mais oui. C'est pas private, moi, il y a une là. Je fais moi l'école maternelle d'abord, pour commencer par maternelle. C'est à l'époque-là, tu appelles ça, tu l'école payée. Pas tu appelles ça maternelle, ça. Pas tu n'aimes ça concept-là à l'époque. L'école, non, tu l'école dans Cap-Maléré, comme mon professeur financé moi un petit peu. Ensuite, je rentre l'école primaire Cap-Maléré. Cap-Maléré, c'est une école avec la composition de la population, les enfants PCR, les enfants laboureurs, vous pouvez comprendre là, c'est dans ce milieu-là, on apprend avec tout mon camarade, moi encore, il y a un camarade qui est là, moi encore, il y a un contact avec eux. Et donc, ça, vous trouvez que moi, les façons nous, là, on côtoie toutes les communautés. Et quand on grandit dans ce milieu-là, et quand, si on a une compassion, si on a la foi, vous pouvez toujours respecter sa diversité là. Et dans vos missions aussi, vous pouvez servir tout le monde. Vous comprenez? Et moi, ça fait toujours ma philosophie. Je veux que tout le monde qui est capable de servir, vous êtes tout comme mes enfants, mon Dieu. Vous comprenez? Et là, nous ne sommes pas capables de faire discrimination. Tout à fait. Jamais, dans mon imagination, je pense en termes de discrimination contre un groupe ou un monde. Même si ce parti politique différent. Quand ils viennent moi pour l'éducation, moi toujours accompagne les autres. Vous pouvez comprendre? Vous comprenez quand ça une sortie là? Vous pouvez donner sa background là pour montrer comment ça a évolué dans moi. Quand ils font partie de moi-même, right? Et à partir de là, voilà mon parcours qu'ils font. Alors, ça première chose. Et ensuite, la fini primaire, l'école Cap-Maléré. Moi, besoin de dire où en même temps, qui ce qu'a aujourd'hui, moi extrêmement et la gratitude et reconnaissance. Pour mon professeur qui travaille en mode primaire. Bientôt, mon amour biographie pour sortir, right? Quand on a un peu plus de détails là. Mais mon besoin dire que ça va un professeur là qui fait un peu cause. Et na parmi mon professeur primaire, est encore vivant, right? Et moi, si mon professeur l'année 57 à 62, mon dire là. Un parmi les professeurs, il y a encore la même. Moi, je ne me souviens pas souvent. Okay. Et ben, les autres, je n'aide moi dans cette époque-là. On peut être moyen, comme on dit, donne-moi les leçons gratis. Comment bien conseiller, aide-moi. Ça qui permet moi, de faire mon sixième. On comprend comment ça encadrement là. Tout à fait. Quoi, tout au long, finalement, ça la met invisible pour venir aide-moi. Mais avant, il y a des gens pour aider-moi, pour être capable de progresser dans mon parcours. Alors, donc, on a beaucoup de respect pour les professeurs. Deuxième, après, je rentre dans le collège secondaire. Quand là aussi, plusieurs professeurs sont associés à moi. Et autres, si je garde en mémoire et je remercie. Et là, moi, le budgetari, là aussi, je gagne un professeur qui m'accompagne. Moi, je mets l'enfant le professeur parce que, et mon parent sans doute, parce qu'il y a des affaires qui m'ont toujours croire là-dedans. Et je dis ça à mes jeunes.
Je dis, c'est créé mon la vie. Il trouve dans un texte, dans un principe hindou qui dit Mata Pita Guru Devam. Guru Devta. Maman, papa, si tu respectes, prends blessing ton papa, ton maman, maman avant. Dans mon dire maman premier bon bien bon Dieu. Alors maman, papa, tu man gourou, si tu respectes autres bien man professeur là et pas juste professeur qui qui gourou ou dans man grand du monde dans l'endroit qui guide. Tout ça là font partie de sa communauté de gourou et quand on fait ça trois là bien, ou pas besoin casser la tête bon Dieu pour ouvrir les bois pour recevoir ou et les accompagner partout. Ça c'est ma philosophie qui me marque. Alors, je dis ça parce que je suis content pour ça avec les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une décadence dans la société. Les enfants ne peuvent pas respecter les parents. Ma prochaine question, vous faites les vignes là-dedans. Alors, c'est pour ça que je suis content de dire ça. Dire à les enfants, nous avons l'exemple là, pour que vous connaissez eux-mêmes, qui quand nous faisons ça pour un coup, Mata, Pita, Guru, Devta, jamais ne pas pour fail. Nous avons toujours la voix qui disait. Alors, voilà, ça c'est un élément. Alors, et à partir de là, je fais mon parcours secondaire, je finis faire HSI, de l'Université Maurice, etc. Et là, quand on cause l'éducation, ça veut dire moi, moins de 100% produit d'éducation mauricienne. Mais mauricienne. Parce qu'ils n'ont pas de capable à l'extérieur pour faire l'étude, papa partir à moyen. Ça veut dire que je fais toute l'étude ici, locale à Maurice. Vous comprenez? Et que sa qualification-là, ça n'a pas empêché moi de réussir au niveau international. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas comment je la foi dans mon pays? Tout à fait. Comment je suis content de ce pays-là? Parce que ce pays-là qui nous donne moi toute sa possibilité-là. Vous comprenez? Vous trouvez comment la fondation là peut build up et aller, là, il arrive au premier étage. Incremental, je trouve. Voilà, et puis aller comme ça. Et donc, alors, à partir de là, et là où cause en moi le système d'éducation. Hein? Justement. Franchement, comment je disais, en 83, après cassure, quand Sœur Neurodiagna, confiez-moi, ministre de l'Éducation, vous connaissez qu'il a 31 ans. 31 ans. Monsieur a 10, 31 ans. Et vous racontez une histoire, moi, en mission en l'Aisne, dans l'Aisne, moi, 32 ans, elle est là, mon secrétaire permanent, dans 50 plus, quand on rentre là-bas, un officier qui vient recevoir nous, parmi nous, comme ministre, je dis quoi, lui, le ministre, moi, mon secrétaire. Trop zen pour être ministre. Et dans l'Aisne, à l'époque, là, pour être ministre, il faut avoir un CV blanc, 60 plus, là, où il ministre. Et sa perception, là, parfois, nous ne connaissons pas en tant qu'un jeune. Dis pour rebondir de ce que vous voulez dire. Les, actuellement, on va dire, tu as encore trop de temps pour rentrer en politique. Ça, je ne suis pas d'accord. Dis tout, moi, je veux dire, on commence politique bien jeune. Et au ministre à 31 ans. Et puis, comme tu es président du District Council, hein, là, en 79, là, 28 ans, vous voyez ce qu'on va faire? Tout ce background là, comme on a l'école, si l'école payait moi, maternelle, vous voyez ce que je vais faire comme président du Sikam, tout seul il me fait ça. Je vais mettre 4 écoles maternelles dans le Nord, qui partiennent avec l'OMEP, avec mon camarade Somu Valaiden. Nous mettons 4 écoles maternelles dans le Nord, une à Calbas, une à Cap Maléré dans mon village, une dans Piton et une dans Plaine de Papaye. 300 écoles là encore la même. Et le, nous appelons ça l'école maternelle. Oui. On comprend, là, on casse ça. Et comme on vit une ministre, on finit de mettre maternelle partout. Alors, on comprend qui fait mon faire ça. Parce que on vit l'expérience là. On vit le manquement qui tient là. Et on dit, pas capable, besoin de nos bonnes enfants, c'est pas une opportunité là. On comprend comment mon philosophie d'éducation. Tout à fait. Alors, donc, tout au long, on finit de faire une chose là qui me guide moi. Même mon collège secondaire, mon travail dans le collège privé. Mon cas dit au collège privé, il produit beaucoup de leaders. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons peine à reconnaissance pour ce collège privé. Là. Nous avons dit comment il peut passer aujourd'hui. Et bien, le collège privé, il peut dégringoler. Parce qu'il n'y a pas peur en croise. Vous comprenez? Alors, moi, je crois là-dedans, je défends le collège privé. Je aide le collège d'État aussi. Mais, je ne suis pas capable d'aider le collège d'État ou pas aider le collège privé parce qu'il y a un pilier. Si vous pensez à Neurodiagna, il n'allait dans l'école privée, le collège. Vous comprenez? Alors, et comme ça, il y a plusieurs leaders. Beaucoup de leaders que je peux citer, qui sont dans le collège privé. Alors, donc, tout ça, c'est une action qui est tout le monde fait. Là, je lance, je vais venir à la situation qui m'a trouvé, c'était là. Mais, avec moi, l'expérience du terrain,
et que moi, comme ministre de l'Éducation, là, 31 ans, c'est un grand défi. On vous a dit, pas facile, hein? 31 ans, on va imaginer ça. Et ça, l'époque, c'était le moment plus difficile de nous, l'histoire. Mm-hmm. On va connaître, si vous vous rappelez, en 82, la Banque mondiale et FMI, parce que notre pays était dans difficulté économique, bien mauvais, mettre conditions là nous impose ajustement structurel. Et pour l'éducation, de dire ferme ban collège, ven des collèges, ferme zot, mettre professeur de haut. Comme ça. Vous comprenez? Mm-hmm. Et arrête de dépenser dans l'éducation, arrête de construire, etc. etc. Par écoute de professeur, faire même, tu mets une condition, tu mettais, bon, mais donne-nous ce background là pour mm-hmm. comprendre. Faire ban collège, ban enfants qu'elle collège, quand ils finissent faire collège, rembourse notre fils. Tout ça dans papier. Hein? Mm-hmm. Et quand on vit le ministère de l'Éducation le 28 mars 1983, d'après conditions qui étaient signées par mon prédécesseur, mm-hmm. le 31 mars 1983, mon bizarre rend une réponse à la banque mondiale. Là, qui a une vision, c'est un neurodiagnostic. Moi, je dis, nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous ne sommes pas capables de couper l'éducation, nous finir nos pays. Tout à fait. Vous comprenez? Nous pauvres, nous venons. Les avoyements en mission dans l'Amérique, toujours jeune homme là, à l'Amérique, moi, je négocie avec la Banque mondiale, nous casse ça la cour là. Et là, nous commençons à investir dans les ressources humaines. Mm-hmm. Ça qui amène progrès au pays là, aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, et là, maintenant, si vous dites à moi, laisse-moi donner une petite introduction avant. Mm-hmm. Et moi, avec l'expérience de l'éducation, moi, en 90, j'ai assisté à une grande conférence internationale pour la première fois. Mm-hmm. Conférence, tout le ministre de l'éducation du monde, Education Forum, en Thaïlande. Là-bas, j'ai eu l'ambiance. Là, ben, Nadia, c'est un pays, faire des plans, faire tout. Mais c'est pour gagner tout le soutien. Je retourne à Maurice, je lance Master Plan of Education for the year 2000. Mm-hmm. Right. Ce plan-là m'a fait dire d'un an. Et tout le monde, ce plan-là, c'est owned by everybody. À tel point qu'il fait des recommandations au directeur de l'UNESCO dire « The master plan is the plan of the people, by the people, for the people. » Il pense à ce, cette citation-là, vous comprenez? Mm-hmm. Alors, pour dire que le master plan-là, il y a un plan complet qui couvre tout secteur pour capable faire nos pays monter dans le deuxième cran l'industrialisation, modernisation. Parce que sans l'éducation, on ne peut pas faire ce progrès. Ou même, vous venez d'un professionnel, right? Et avec ça, on ne peut pas faire progrès. Justement, moi, un produit de sous au ministership, sous au guide à l'époque, mon papa passe justement, il y a plaisir à nos générations aujourd'hui, nous, un produit qui sort au système. Et que je suis vraiment fier, honoré, et que même là, en ce moment, il y a beaucoup moins de messages qui peuvent rentrer. Nous avons Girish, nos grands frères Girish Ramjaten, lui-même qui derrière sa joli mouvement, la case maman là. Il a aussi dit nous remercie où pour tout ce qu'il nous fait parce qu'il nous sortit depuis sa système là. Et que nous vraiment fiers. Et que ma prochaine question pour Vinlo là même, Moïse, attends, nous termine ce que tu veux dire. Alors voilà donc, l'idée de Master Plan pour moi, c'était positionner Maurice d'une façon bien stratégique. Mm-hmm. Alors mon monde plan là dans un an. Consultation, tout le monde. Mm-hmm. Tout le monde retrouve dans ce plan-là. Right? Dans les parents, association parents, dans les professeurs. Vous connaissez, on fait une conférence avec ILO, l'UNESCO et le syndicat Maurice pour mettre, qui vous mettez dans le master plan pour les professeurs. Vous réalisez comment vous réalisez ça. Pour les étudiants, moi, je peux encourager les student council. Moi, je peux besoin d'autres presque deux fois par an. Mm-hmm. Et quand on fait master plan, on fait un étudiant assisé, dire qu'ils ont nous mettre là-dedans. Et nous mettre sa pite là pour eux. Vous ne comprenez pas comment nous gagnons tout du monde là-dedans. Là. Mm-hmm. Alors donc, master plan fini. Maintenant, l'autre exploit qu'il nous fait, on organise une réunion bailleur de fonds à l'UNESCO. Mon cas, je travaille beaucoup avec une organisation internationale. Et je te reconnais moi. Et c'est ça qui amène un rayonnement international après. Alors, on fait une réunion bailleur de fonds dans Paris à l'UNESCO, pendant la conférence générale de l'UNESCO. Nous demandons 42 000, nous gagnons 50 millions, 42 millions, nous gagnons 50 millions l'argent pour nos plans. Quand l'évier,
et dans le lycée polytechnique, vous connaissez. Yes. Hein? Mm-hmm. Il appelle ça UDM. Mm-hmm. Non? Mm-hmm. Université de Mascarin. Mm-hmm. Ça, l'université là, c'est moi qui l'ai fait. Okay. Mon récit convainc la France, mm-hmm. Agence France Développement, pour financer ça pour nous dans le cadre de notre master plan. Et AFD, jamais pas tu peux faire cette qualité sur là, mais on fait aller pour nous, avec relation qui nous avec la France. Mm-hmm. On ne comprend pas les affaires qui nous ont réussi à mener. Mm-hmm. Alors donc, la fondation là, c'est là parce qu'il m'a dit à un ministre de l'éducation, il n'est pas pour là éternellement. Quoi qu'il m'a même plus long, longest serving minister of education. Mm-hmm. Moi, j'ai ajouté une petite anecdote là-dedans pour dire longest serving, but also longest surviving. Parce que dans le ministère là, on dit survive. Vous connaissez? Mm-hmm. Et on survive 13 ans. Mm-hmm. Alors, bon, plan là, là, et là maintenant, si on fait une petite comparaison avec la situation actuelle, mm-hmm. Je ne suis pas trop content de faire comparaison. Je laisse la population même faire cette analyse, comment vous pouvez faire, comment les autres faire. Et ça, message qui vous peut dire, ou content ou fier que vous utilisez comme ministre, je gagne ça souvent de la diaspora. Beaucoup d'intellectuels qui sont maintenant à l'extérieur, des Mauriciens, souvent vous avez un message, ah, monsieur, pas soi-même, fier. Ou avec au ministère, nous le récit faire ce progrès-là, etc. Mais ça, c'est ça qui te sous. Vous comprenez? C'est ça qui vous dévoile d'ailleurs. Pas une faveur, ça. Moi, je n'ai pas une faveur, mais je fais mon devoir comme ministre d'éducation. Ou mission. Mission. Et c'est pour ça qu'il m'a venu un point fondamental. Moi, quand je dis, je suis content d'y aller pour les jeunes politiciens. Pour les gens qui aspirent à une politique. Politique, ou pas venir pour faire casse. Ou pas venir pour remplir un poste. Ou pas venir pour faire des gens souffrir pour gagner casse. Politique ou vine pour servir. Ou vine gagne la foi pour servir sa pays là. Parce que ça va dire qu'elle vote là, Kevin. Moi, je connais ma circonscription. Maintenant, elle fait la prière pour moi. Vous pouvez comprendre qui veut dire ça. Mais quand on donne ça la croix là, qui vous fait après vous? Hein? Ou mettez la croix aux autres les deux? Ou soit, ou sous la autres? Ou tient la croix aux autres les deux? Vous pouvez comprendre? Vous pouvez comprendre. Alors, je vais dire ça juste parce que je suis content qu'il y ait un politicien. Rappelle bien que c'est une bénédiction qu'on choisit pour une ministre. Ou réalisons pas, c'est un petit expect ça. Mais là, quand on vit une ministre ou député, ou n'importe qui responsabilité dans le pays, on besoin de servir la population. Je dis très bon dire, c'est ce qu'on peut dire. On dit que sa métier, sa domaine, il est très noble. On fait aller avec beaucoup de volonté, beaucoup de ferveur, conviction. Mais parfois, nous gagnons l'impression, moi en tant qu'imam, en tant qu'un zen, nous gagnons l'impression qu'il donne un certain gouvernement qui n'est pas trop lointain. Il nous dit prend une certaine politicienne, mais zut ici. Zut pas de faire pour être politicien. Comme on peut dire, un politicien, il est dans ça, dans le pour travail, pour nos sociétés. Mais comme on guette nos situations actuelles, on trouve qu'il y a une certaine politicienne qui ne peut pas donner de tour, en fait. Je ne parle pas de tout, moi, mais je ne peux pas faire pour être politicien. Et est-ce qu'il ou partage ça la vie? Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous connaissez bien, vous connaissez aussi, hein, un ancien. Vous connaissez un ancien ministre qui peut dire, quand tu es capable de gagner un ticket, il dit Ali. Je suis besoin de mettre 5 millions pour gagner un ticket. Nous tentons ça souvent. Vous comprenez que je peux dire où là? Moi, je peux dire où, Kevin. Je suis commencé dans la politique en 82 au niveau national. Mon pan donne casse 10 moun pour vote moi. 82, 83, 87, 91. Tout mon élection mon gagné, 100 points casse donne 10 moun pour vote moi. Qui mon faire? Comment mon élit? Mon occupe ban 10 moun là. Vous pouvez comprendre? Mon service avec beaucoup de convictions. Et c'est ça qui nous donne moi résultat. Alors mon pays redit. Et puis dans mon circonscription, c'était ici. Hein, Grand numéro. B, Poudo, numéro 6. Numéro 6. Vous connaissez bien souvent, quand vous pouvez calculer le bon candidat, vous calculez qui communauté y était. Exact. Moi, mon communauté tamoul, moi, je connais. D'après ce qui moi, je mauricien, à part entière. Moi, je citoyen du monde, mais je connais mon racine. Politique, l'hiver. Mon racine, mon racine d'origine tamoul, dans la communauté indo-mauricien. Mais, sa circonscription là, il a dit 10%, Kevin. Right? Pour Eli Village Council. Pour élire district council et ensuite député, 4 élections générales, bon, pas de perdre une élection, il faudrait qu'on ait une communion avec sa population. Il faudrait que ça la met invisible, bon Dieu là, et accompagne
pour réussir. Mm-hmm. Alors, je peux dire par là, pas communaliste comme une façon pour faire politique. Il y a beaucoup de députés, de candidats qui font ça. Mm-hmm. Vous pouvez comprendre? Et je vous dis, moi, quand je suis candidat ici, je suis toujours fidèle dans sa circonscription. Je suis né, je suis grandi ici et je ne pas quitter mon circonscription jamais. Et vous encore là, jusqu'à moi. Je n'ai pas pensé quitter ma région, hein, mm-hmm. parce que mon lombril là. Ouais, ouais. Vous comprenez? Uh-huh. On reste local même. Local, et donc, mais non, local et global. Non, je vous dis, ok, local, ça veut dire. On maximise everything dans sa circonscription là. Absolument. Jusqu'à voir même mettre Global Rainbow Foundation dans Petit Afrique. C'est un autre parcours. Non, un autre incident, une coïncidence extraordinaire, ça nous a causé après sur les. Oui. Alors donc, laisse-moi revenir un peu le l'éducation. L'éducation. Mon besoin de dire qu'il y a un ministre successeur après. Ça a quand même une autre contribution. Hein. Tout à fait. Pour moi, chaque ministre a même un bloc. Et vous connaissez quand même un ministre, moi, j'ai l'humilité. Qui veut y faire? Mon adjoint, tout mon ancien ministre de l'éducation, nous partis ensemble dans nos partis. Jagat Singh, mon adjoint, right? Et mon adjoint Régis Sapron, qui est encore vivant, petit ministre de l'éducation ici. Et ben les autres, Boulel, et la sœur Susaka Ramgoulam, qui est premier liaison pour l'éducation. Tout ça, mon ancien ministre qui est encore vivant, mon adjoint, mon adjoint. Vous comprenez? Parce que je connais, je ne me passe pas dans la situation. Je apprends à eux autres qui font pour me connaître qui est bon et qui n'est pas bon. Vous comprenez? Mais malheureusement, je dis, et quand on fait masterplan, on fait comme ça. Mais malheureusement, je dis, je n'ai pas fini un deuxième masterplan. Masterplan, il finit en 2000, mais on renouvelle ça. Tout à fait. Tout le temps, vous avez un plan pour connaître où tu peux aller. Exact. Vous comprenez? Et alors, je dis, vous trouvez le ministère de l'Éducation. Je n'ai pas amené une participation de tous les partenaires dans l'éducation. Parce que le professeur peut crier, les parents, les élèves, pareil, les considérations qui sont bizarres. Pourquoi diriger ce ministère de l'éducation là, pendant longue année qu'il m'a fait, sans gagner un gros bouleversement, ou bien d'abord à l'écoute et dans le dialogue, respecter tous les partenaires. Vous connaissez les syndicats? Syndicat toujours en la guerre. Oui. Moi, quand je suis ministre, je connais ce que je fais. Je ne vais pas attendre de venir moi. Je vais rendre une visite dans un bureau. Vous connaissez qui était ça? Le ministre allé dans le bureau syndicat, je suis un professeur, mais il casse, il fait une autre affaire. Of course. Et moi, je dis, I am also your minister. Pas pour moi comme un opposant pour vous. I am your minister and whatever I deserve. You deserve, I will do my best to get it. Alors voilà un petit peu de philosophie. Hein? Alors mon regret, c'est que actuellement, gouvernement, ministère de l'éducation, il n'y a pas rassembler tout le monde pour construire un système d'éducation qui coûte tout le monde besoin d'un coup de main. Même vous faites un plan. Qu'est-ce que vous faites ça? Il faut des professeurs travailler dans la classe. Faut des élèves apprendre convenablement. Faut des élèves avoir une dose de valeur. Vous connaissez comment valeur est dégradée dans l'école maintenant? Tout à fait. Ma prochaine question, vous pouvez venir là de même allez, direct. Allez. À l'époque, pour maintenir la discipline, nous tiennent à la punition corporelle. Et aujourd'hui, nous trouvons qu'il n'y a pas un droit, donc Human Rights Commission, il y a beaucoup de stakeholders qui involvent pour ne pas faire ça. Et où, qui ont l'opinion là, parce qu'il me trouvait une dégradation de nos systèmes disciplinaires dans l'école quand on enlève ce type de discipline-là. Je me disais pour moi-même, hein, qui me sorti depuis mon école, qui discipline à un niveau extrême, quand si tu peux sortir pour jouer après aller à l'école, nous trouvons nos professeurs, nous sauver, nous entendons. Parce que le lendemain, nous perdons qui, monsieur, pour demander, nous, est-ce qu'il te fait sa devoir, nous donne-toi là, mais toi, tu peux jouer là aussi. Mais aujourd'hui, nous trouvons les élèves, les professeurs, pour avoir écouté des, pour avoir écouté la tape et battre professeur. Comment professeur élève un petit lavoir ou bien tape un petit calotte, nous trouvons parents peuvent venir avec sable dans l'école. Mais où qui a l'opinion là? Ça, vraiment, une dégradation qui est bien, bien mauvaise. Bien, bien mauvaise pour nos systèmes d'éducation, pour nos enfants. Et ça, il peut arriver, qui fait, nous manquons des affaires importantes dans l'éducation. L'éducation, ce n'est pas simplement instruction. L'éducation, c'est character formation. Une bonne éducation, elle est bien holistique.
ou besoin d'un bon certificat. Tout à fait. Mais en même temps, besoin d'avoir une valeur. Vous voyez que moi, tu veux faire comme ministre, moi, c'est une affaire qui est importante, terrible. Moi, tu peux faire enseigner une values dans l'école. Je traîne un professeur pour capable introduire une valeur dans l'école. Parce que moi, tu peux dire à un professeur et à un parent surtout. Quand vos enfants sont nés, vous faites un vaccin en lit pour raison médicale. C'est oui, pas vrai. Mm-hmm. Si vous ne faites pas ça, les enfants n'ont pas pour gagner. Mais quand ils grandir, vous avez besoin de vacciner avec valeur. Si vous vaccinez avec valeur, respect, mm-hmm. l'amour, tolérance, vous comprenez, et compassion. Ces enfants-là, quand ils peuvent évoluer comme ça, ils peuvent devenir un bon citoyen. Mm-hmm. Vous comprenez? Et il y a un livre, Tirukural, qui guide moi beaucoup dans mon parcours mm-hmm. depuis mon enfance. Il dit comme ça, pour une maman, quand tous ses enfants, l'eau, l'estrade, on peut féliciter, parce qu'il fait bien, il est beaucoup plus happy que quand ses enfants sont nés. Vous voyez sa beauté là, là? Mm-hmm. Et l'autre, pour un papa, lui dire, si un papa avec tous ses enfants, l'eau, l'estrade, peut faire bien, peut gagner une belle décoration. Mm-hmm. Ben Dimoun pour dire sa papa là il fait beaucoup pénance pour les carrés sacrés des garçons. On comprend c'est une philosophie là des valeurs. Tout à fait. Mais ce qui nous met les enfants il a inculqué ça aujourd'hui. Une bonne majorité malheureusement parents là-dedans. Mm-hmm. Vous connaissez quand même manque de respect aux parents et aujourd'hui. Oui. Manque de respect aux professeurs. Tout à fait. Ce que vous pouvez dire là il y a pire que ça dans l'école. Oui oui. On ne peut pas les gros causes là. Vous pareil vous pouvez redéler. Alors donc si ça sa situation là, qui ministère peut faire pour ressaisir? La drogue dans l'école, vous connaissez quoi, catastrophique. Moi, je ne raconte moi d'un collège d'État fille. Cette fille, elle a deux groupes de filles dans la guerre. Et dans sorti le chemin, un groupe là, il a bouncer. Il a une fille bouncer qui vient battre l'autre. Mon garçon fait dire moi, il y a quelques semaines de cela, un élève de ce classe, de ce l'école, il consomme l'alcool, il saoule, il vient l'école. Grand matin. Donc, comment on peut dire qui nous peut faire? Qui nous peut faire? Qui, bon, bien sûr, il a une responsabilité parentale, l'école. Donc, à qui peut bénéficier tout ça, man erreur là, tout ça dégradation là? Et mon pensée, d'après nos statistiques, nous remarquons qui nous peut. Commence à gagner une dégradation au niveau nos résultats aussi. Absolument, oui. Ouais. Niveau peut baisser. Niveau peut baisser. Et le mauvais pour nous, ça vous connaissez, nos pays, ils survivent parce qu'ils nous font un high level of education. Et comme je suis ministre, moi, je suis bien fier, comme je demande le pays, quand il y a un rapport, une performance, un étudiant qui a fait à l'université, je pense qu'il y a un top. Top, bien. Vous comprenez? Et là, moi, je dis une affaire. Je ne pas dire qu'il besoin de mettre pression aux enfants qui appellent l'école. Mais l'époque avant, ces enfants-là, tu peux bien apprendre sérieusement pour les carrer un bon résultat. Oui. Et qui tu peux arriver là-dedans quand tu peux mettre ça ce niveau sérieux là? Ces enfants-là, tu es sérieux, tu peux gagner une culture. Comment pour apprendre, comment pour réussir? Exact. Oui ou non? Exact. Vous comprenez? Et c'est quand je suis sorti là, je suis dans l'université de haut, je garde cette culture là. Et ben l'analyse que tu fais, moi avec mon recette que tu fais à l'époque, je dis un étudiant mauricien bien étudié, bien consciencieux. Et ça, je gagne sa culture là depuis bien l'école. Cultivé. Oui ou non? Tout à fait. Hein? Alors, où tu veux tout ça là? C'est pas une fondation ça. Pas des casse-pans d'affaires, quoi. Oui, c'est pas qui. Quelle était l'idéologie, non? Tout à fait. Là où on rentre dans l'engrenage. Ah, là, comment on peut dire, nous rentrons dans l'engrenage. Et moi, je veux dire à tout le monde de famille qui peut être nous pas pour 10, mettre un petit dialogue, nous pouvons aussi goûter un petit affaire tout à l'heure. Et en passant, moi, j'ai un petit produit qui m'a amené de la case maman qui m'a pour faire goûter. Et ce qui m'a comprend bien aussi, on cuit un petit affaire aujourd'hui. Oui, oui, oui. Qui vous préparez comme ça pour nous, pour comment dire, nous faire nos mantelles, man viewers, connaît qui nous pour goûter tout à l'heure. Vous venez dire, moi, c'est Maïbou hier. Ah, ok. Celle dans le bureau Maïbou. D'accord. Et moi, je joins ma cousine là-bas, elle est qui manage dans le bureau Maïbou. Moi, je dis, tu connais Kevin Pevini aujourd'hui là. Et elle nous a fait qui m'ont bien content, c'est cariorite. D'accord. Alors, il prépare sa cariorite là. Et nous pour partager ça ensemble avec vous. Avec ah, mais bien, justement, moi pour. Et moi, bien content, Cario, oui. Hein? Moi. Et là, quand on peut causer, moi, la veille, moi, tu es un Ravan et un Rodrigue, là.
la veille, mon départ pour Rodrigue, demain matin, pas Rodrigue. Ah, ok. Donc, là, nous parlons au rythme de Rodrigue. Là. D'accord. Mais c'est moi aussi, mon papa, vient dans mes vides. Comment on amène un au rythme ça là qu'on fait là. Oui, oui. Un au rythme ça là. Mais, juste pour accompagner ça au rythme ça là, nous avons un dal pour la case maman. Un dal pour la case maman. Qui, bon, mon poulet sous goutte l'it à l'air. Donc, nous sommes capables de discuter ça un coup avec madame. Téhi. Madame Téhi. Mon cousine. Donc, quand on parle de Karim Masala là, on dit passe un père 60 secondes, 1 minute de micro. Et là, nous attendons madame Véhi. Oui, oui, oui. Téhi, prépare ça. Nous avons une question de Guirich. Hein? Oui. Nous une question de Guirich. Mon liali, monsieur Omogom. Nous pays peut passer un moment plus difficile sur l'histoire. Il peut attaquer des pays dans toutes directions. C'est dans ce moment-là qu'il nous bise ensemble. C'est à nos coudes et que nous donne un coup de main pour nous capables de faire cette situation-là. Covid il fait tellement ravage qu'il présente nous une opportunité pour rerendre un système plus fort, plus solide, un peu comme quand cyclone Carole t'y passait oui. Et que tu as aplati tout bas de la castelle. Et que nous commencerons à casse béton. Si vous tiennent pour donner au gouvernement un conseil sans qu'il nous critique ou qu'il nous fait politique ou être partisan, qui conseille ou qui est capable de donner au gouvernement qui peut bénéficier toute la population, qui est capable dans l'éducation, dans l'économie ou dans n'importe quel autre aspect. Et pour dire quelque chose qui me croit fondamental, mm-hmm. sans dans la politique partisane. Mm-hmm. Et d'ailleurs, mon besoin de dire, on n'est plus dans la politique active. Mm-hmm. Mm-hmm. Right? Maintenant, moi, je suis un citoyen du monde mm-hmm. avec mon parcours international mm-hmm. et je suis content de mon pays. Vous comprenez? Et quand on retourne Maurice, quand on quitte l'UNESCO, on retourne Maurice, mm-hmm. on trouve qu'on fait pas de retour dans la politique. Exactement. Je choisis pour mettre toute mon expérience, dans ce secteur. Tout mon réseau. Pour être ben, dis-moi, les plus vulnérables de nos sociétés, mm-hmm. ben, personne en situation de handicap. Exactement. Alors, donc, je suis content de mon pays. Personne n'a pas envie de montrer moi les doigts mm-hmm. pour dire que mon père a un bout, si pas qu'ils ont fait, pas besoin de bout. Mm-hmm. Pas besoin. Je dis au fond, bon Dieu, donne-moi tout ce que je suis capable de faire. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. Alors, là, quand on pose moi cette question-là, il y a une question moi, fondamentale qui, moi, pour répondre, mais seulement pour nous capables de réussir, amener ça ce que vous pouvez dire là. Les bisins et une ressaisie de toute la population bisins capable de rethink quand nous peut aller et qui nous peut faire. Un équilibrage. Un équilibrage, mais en particulier, ben, dirigeant du pays, parce que c'est eux qui prennent des décisions. C'est bon. Quand moi, tu es ministre, moi, mm-hmm. moi, tu peux prendre des décisions. Mm-hmm. Vous comprenez? Parce que mm-hmm. bisins disent causer, causer, mon faire. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ministre. Mm-hmm. Moi, pourquoi prendre des décisions? Tout à fait. Alors, c'est ben qui est capable de prendre des décisions, mais nous, pour commencer, pas ben dirigeant. Mm-hmm. Par les premiers ministres, les ministres, etc. Mm-hmm. Vous comprenez? Les leaders, ceux qui prennent des décisions, ceux mm-hmm. qui font policy, ou capables de dire combien ils ont envie, mm-hmm. right? souhait pour nous payer, etc. Mm-hmm. Mais maintenant, qui prennent des décisions. Mm-hmm. Alors, ce qui m'a déploré aujourd'hui, quand arrive Covid, comme Guiris l'a bien dit, hein? mm-hmm. pareil comme Carole, comment nous tirer les pays, mm-hmm. quand arrive Covid, qui nous trouvait? Comment nous prenons Covid dans ça? Mm-hmm. Qui n'est arrivé? Vous connaissez comment on peut dire? Oui, oui, oui. oui. Hein? Comment nous nous faisons Covid? Mm-hmm. Nous allons bien? Pas pour rentrer en détail. Exactement. Comment nous nous faisons Covid? Mm-hmm. Qui confiance nous dans la population? Mm-hmm. C'était un moment raté. Si ça à l'époque-là, Covid peut venir, peut taper plein l'eau. Nous connaissons pour souffrir. Mm-hmm. Si vous êtes pour mort, mm-hmm. etc., etc. Qui nous fait? Nous nous rappelons toute la population, faire autres comprendre, pour faire un appel à la solidarité internationale. Mm-hmm. Mais seulement, vous avez donné un exemple. Tout à fait. Si vous avez dit, vous avez fait sacrifice. hein, après, vous avez demandé une transaction qui est passée. Mais comment vous avez confiance? Vous avez confiance? Pas pour vous, dit vous pouvez comprendre, il n'ébranle confiance premier jour mm-hmm. quand le Covid est venu. Mm-hmm. Et plusieurs fois, dans le Parlement, l'opposition finit de demander, venez nous faire un débat, nous tous mettre la main ensemble, mm-hmm. nous sauver nos pays. Mm-hmm. Il refusait carrément. Il refusait carrément. Est-ce qu'à aujourd'hui, où tout ça, même politique peut aller, mm-hmm. right, puis, pas collaborer, pas mettre tout le monde ensemble, ou d'un gouvernement, quand on rassemble tout le monde, ou gagnant. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Moi, exact. Comme ministre de l'Éducation, je rassemble, c'est bon réussi. Si je suis la guerre syndicale, la guerre de parents, la guerre de. Moi, je peux faire mon travail. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Tout à fait. Alors, philosophie qui m'a dit, là, pour bien faire, capable de faire,
mais il dépend beaucoup de volonté du gouvernement et non pour tirer ego politique get nous pays parce que ça pays là pour nous tout ça au bout là pour un temps vous comprenez tout bien qu'il vienne aller après mais ce qui est important quand vous là qui vous a fait vous a servi à les pays laissez nous après vous pouvez comprendre tout à fait c'est ça qui est plus important mais malheureusement la situation que j'étais actuellement besoin de dire où sans qu'il me rentre dans le détail il pas de nous sa possibilité là hein, ça l'occasion que nous tous rallions ensemble et nous réconcilions nos pays et nous faisons nos pays continuer à rayonner. Ouais, ce pays-là, il rayonnait. Hein? Zodi, mon cas, au côté allé, Maurice, il est dégradé. Qu'est-ce que ça fait l'Union européenne, la liste noire? Zodi, il peut y aller une tirée. Mais qui fait tirer ça, la liste noire? Pas de bizarre, mais. Pas de bizarre. Vous pouvez comprendre, là. Zodi, il peut cause telle affaire, mais nous-mêmes, nous créons cette situation-là. Quand vous avez de façon finance publique, quand vous avez de dette pays-là. Vous connaissez tout ça là pour tomber nous mes enfants, nil pour besoin payer ça, rembourser ça, dette là. Justement. Alors donc, est-ce qu'ils nous ont le droit de faire ça? Est-ce qu'ils nous ont le droit d'hypothéquer l'avenir de mes enfants? Mais au cause du gouvernement, il n'est pas compris, il n'est pas pour écouter tout. Alors donc, pour moi, d'une façon plus philosophique, moi, je veux dire, que tout bon dirigeant pays, besoin d'un bon patriote, qui est content de notre pays, pas capable de saper place ou faire. Vous pouvez comprendre. Bizin redonne ça à les peuples, la confiance, l'espoir dans la vie et accompagne eux pour être capables de vivre dans la dignité et dans le bonheur. C'est un mot vraiment pertinent, ce qui vous fait dire. Et que nous remarquons, nous trouvons que la population en général, il y a un ras-le-bol de ce système-là, de ce type de réponse qui peut gagner là. Et que nous trouvons ce que nous trouvons dans une semaine qui ne fait que passer. Et est-ce que, ou en tant qu'un Mauricien, avant tout, maintenant, si demain, vous êtes appelé pour revenir faire la politique active, pour donner un coup de main à nos sociétés, est-ce qu'il y a où tu peux faire, M. Amougom? Pas pour faire politique partisane, ça m'a décidé. Dès qu'il m'a retourné en 2011, parce que m'a fini faire avant. Yes. Vous comprenez? M'a fait bien, m'a quitté la tête haute. M'a trouvé qu'il... Pas m'a rare, hein? M'a trouvé qu'il est capable de faire politique dans ce sens noble, c'est-à-dire servir à la population, pas nécessairement comme un député, comme un ministre. Si moi je retourne à la politique, moi je suis ministre. Oui. Mais moi opté pour faire ce que moi fais là. 10 ans moi fais ça là, Kevin. Et mon cas, je suis content, plein de bonheur. Parce que tous les jours, on peut capable tous la vie de Dimoun. Dimoun qui participe à marcher, les pieds coupés, nous donner les pieds, il peut marcher. Vous connaissez qui était ça? Vous connaissez qui était ça? Yem Maïbou, nous avons combien de enfants là-bas? Une jeune fille sur les pieds vraiment dans mauvaise difficulté. Comme on nous a dit quand mon manager TI nous dit moi là. Mon cause avec la famille, mon cause avec Tifila, mon dit, venez samedi prochain, mon bout d'un temps, c'est motorisé. Vous connaissez quel bonheur, il fait ça? Grand l'argent, ça. Ça n'en fallait pas pour penser qu'il est pour gagner ça. Exactement. Alors, voilà un petit peu qui est là. Alors, donc, mon dit, moi, si nous payons un joli pays, right? Mais nous devons détruire ce pays-là. Nous devons pas avoir une politique qui nous peut être pour nous et diviser ce pays-là, surtout qui est plus grave. Il y a des gens qui croient peut faire division pour gagner un vote. Mais vous payez ça. Hein? Vous comprenez? Vous payez les pots cassés là, ça. Et vous payez les pots cassés, pas juste pour vous, mais pour vos enfants. Si il y a une instabilité dans le pays, que ça vous souffre? Nos enfants. Ils ont dit que nous pas safe. Oui, oui. Hein? Ou quand marcher librement partout? Pas possible. Vous comprenez comment on peut dire? Qui veut dire, nous créons une situation, et ils ont dit que d'un coup, là, nous sommes capables de dire, pas pour cause politique. Nous avons le comportement de la police vis-à-vis d'un avocat, bar counsel. Yes. Est-ce qu'il est acceptable ça dans le pays? Hein? On va attendre quand le gouvernement finit avec ce lot-là. Oui, oui. Mais je peux condamner. Est-ce qu'il est possible ça? Et là, c'est qui m'a vraiment apprécié le dit Pipine prendre une stand. Ça, vous trouvez là? Ouais. Heureusement, moi, vous avez dit. Heureusement. Le judiciaire finit toujours un rempart. Un rempart, voilà. Right? Mais pas possible ce qu'il fait là, ça. Vous comprenez? Ça m'a un excès des ailes là. Il fait du tour au pays.
Et vous connaissez, nous pouvons déclasser comme démocratie. Oui, oui, oui. Nous pouvons une vraie autocratie. Autocratie. Ça, pas nous qui nous disons ça. Pour ne pas dire aller direct. Oui, oui, oui. Dictature. Dictature, ouais, voilà. Il y a des speakers qui font de la parlement. On peut accepter ça. On ne peut pas de parlement. Oui, oui, oui. On ne peut pas de parlement avec cette situation-là, même si vous êtes de parlement. Mais vous connaissez comment ça peut être. Vous êtes capable d'accepter ça. Mais c'est ça. Il traite un député sévronné comme un radier de Bagouane. 42 ans comme député. Plus longest serving. Ça. Yes, yes. Ou j'ai look at your face 11 fois. 11 fois. Et personne pas condamne ça. Ou bien, comprends pas comment dire. Ça, ça m'a une affaire là. Je peux dire ça d'une façon non partisane. Je peux dire ça parce que je peux dire nous pays. Qui réputation de vous? Vous connaissez mon ambassadeur ici? Quand vous avez télévision, quand le Parlement a besoin. Ou quoi, il fait d'autres félicite nous ça. Vous connaissez quoi nous monter quand nous tout ça? Et la diaspora qui peut écouter nous là. Quand tu peux assister devant la télévision, une séance parlement, puis tout ça, bonnes affaires. Exact. Hein? Il n'y a pas fait d'autres déshonneurs. Bon, j'ai eu l'occasion de joindre plusieurs ambassadeurs. Et comme vin l'eau s'assiser Maurice là avec eux, juste pour ne pas dire, pas déplaire moi, je te réponds moi, you know, nous ne sommes pas capables de politique de pays. Donc, pour moi. C'est un protocole, c'est pas c'est un protocole, oui, tout à fait. Mais pour moi, les. Mon sentiment. Mais non, c'est pas pour dire, mais rapport que vous avez à votre pays. Oui. Non. Rapport là, cri-cri là-bas. Justement, justement. Yes, please. Donc, nous carri, Vévini, hein, nous carri. Au rythme Masala, merci beaucoup. Donc, nous avons dal pourri. Oui, maman. Dal pourri, la case maman. La case maman. Hein? Donc. Vous bien content ça, t'aimes la case maman. La case maman. Fais-moi penser au maman. Vous comprenez? Comme on cause la case maman. Un retour aux sources, un retour au fondement. Exactement, exactement. Un retour au Mata Pita Guru Dev. Exactement. Avant qu'il me serve où, je vous gagne l'occasion, l'honneur, servir où. Merci. Qui où, moi, je prépare ça, la famille préparée. Je vous ai dit, où qui la case maman. Qui fait la case maman, premièrement? Comment ça commence? Et que je gagne l'occasion de répéter encore. La case maman, elle commence en 2012. Oui. Par nos grands frères Girish. Girish est étudié en Australie. Oui, oui. Ultimately, il reste là-bas même. Ah, il reste là-bas. Et que ça fait 20 ans qu'il est en Australie. Girish arrive un moment où on voyage beaucoup. Nous, man Mauriciens, qui nous sommes, nous cultivons, nous. Et nous cultivons qu'il est vraiment important. Oui, oui, oui. Malgré qu'il nous dans l'Europe, nous avons envie de manger pourri. Hein? Donc, Girish arrive un moment en 2012, il a envie de manger un bon biryani. Les perros des épices biryani partout, pas de épices. Donc, là que ça l'idée vini et nous amène un peu d'épices pour lui-même, premièrement. Et que par la suite, il contactait, prendre depuis les Suds pour venir le Nord, même à Rodrigue, il contactait plaisir, mon entrepreneur, oui, 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 prend tout ça, mon produit là aux autres, exporte ça en Australie, et que là-bas, il fait la distribution partout en Australie. Donc, prendre depuis Victoria, Brisbane, Melbourne, partout. Très, très bien. Moi, bien félicite Girish pour ça. Girish. Hein, parce que ça, vous connaissez qu'elle était, comment dire, consolide la culture mauricienne, mais en même temps, promouvoir Maurice. Parce qu'il y a des Mauriciens qui avaient gagné ce produit Maurice. Là, les autres, les Australiens avaient venu manger. Oui, oui, ils avaient découvert nos cultures. Et les là, tout en vivant, ils guettent Maurice aussi. Et pour dire où, qui, bon, pour faire ça, sortir Maurice en Australie, ouais. C'est un gros travail. Ouais, ouais, et ouais. Derrière ce gros travail-là, nous avons M. Dhananjay Ramjetan. Oui, oui. M. Ramjetan, un jeune qui a presque 75 ans. Presque. Un jeune. Ouais. Très jeune. Et je pense lui-même qui nous côtoie. Oui, oui, oui. Plusieurs fois, une cause avec vous. Oui. M. Ramjetan peut faire un travail extraordinaire et que nous félicitons pour ce travail qu'il peut continuer de préserver nos cultures. Oui. Vous êtes d'accord avec moi, M. Omogom? Parmi mes premières affaires, quand nous retournons depuis un pays, et nous mangeons un bon pédale pourri. Absolument, oui, 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 absolument, oui. Et où qui vous sortit airport, première place que nous parlons bazar Maïbou en place. Exactement. Maïbou oui. Pour la manzane. Oui, oui, oui. Dal pourri. Moi, bien dire où, quand je suis la France, moi, j'avais 7 ans à Paris, mais moi, le road modal pourri, moi, le road de mon manzé mauricien, et ça fait nous beaucoup plaisir. Et. Pour moi, et. Ça, c'est un produit mauricien qui tout du monde compte mettre laqué pour la stérilité. Ah oui, bourri. Oui. Bon, laisse-moi c'est à vous. Oui. Hein? Un bon orite frais qui sort de Maïbou. C'est gagné. C'est gagné.
Merci, merci. Plaisir. Laisse-moi m'accompagner, moi aussi. Oui. Bon, la famille, nous peut goûter un bon curry orite masala avec un bon dal pourri d'akaz, maman. Moi, les sous découvert ça. Oui. Et que vous donnez l'opinion. Le dal pourri là, bien sûr. On vous a dit, madame Télé, vous avez un petit carré au rude pour mettre de la carte. On vient de dire que dal pourri là, malgré les orites, on gagne dal pourri là, ce saveur en même temps, et orite là sans doute, car il y a une kitéine préparée, vraiment il y en a une lamée pour ça. Je veux dire ça. Pas de ça. Là, en deux mots, nous avons un dal pourri et un carré orite qui sorti de la case maman. Voilà, voilà exactement ça. Hein. Donc, moi, je n'ai pas besoin de dire. Je vous recommande Ben Mauricien. Ça dalle pour une finie ready-made. Ready-made, bien. Dans une minute, vous mettez dans le micro. Je connais beaucoup Ben Mauricien avant ça. Je suis encourageux de faire ça. Gagnez-le, partagez-le, promouvez-le. Et c'est un cadeau qui nous a offert. Exactement. Quand nous parlons à l'extérieur, Benjamin est bien content. Sa quantité d'efforts que l'équipe La Case Maman il mettait derrière pour produire ce type d'al pourri là et mettre-les à l'exportation, préserver-les pour qu'ils, quand ils peuvent distribuer à travers le monde, ben là, ça même goût là. Ouais. C'est un travail immense. Ça m'a bien salué les autres. Hein, parce que... Et m'a besoin de dire aussi que La Case Maman n'a pas envie de compete avec personne. Ce l'inan but, il dit comme ça. Nous capables de manger dal pourri tous les jours, grand matin. Nous rôdons dal pourri, grand matin, midi, 3 heures. Mais qui fait nous pas faire dal pourri, vine une partie intégrante de nous dîner? Pourquoi pas? Ouais. Et la case maman, elle dit, elle a envie de prendre sa position là. Vu qu'il dal pourri, la case maman, elle est en pack, ready-made. Exactement, les pratiques. Donc, vraiment pratique. Servi pour dîner aussi. Ouais. Servi pour dîner. Donc, c'est un de ce man objectif pour mettre dal pourri pour dîner market. Et que nous compte. Bien bon, bien bon, bien content ça. Et que. Je vous dire la calme maman en même temps. Bien sûr, bien sûr. Dans mon domaine, je vous ai dit que nous sommes capables de faire. Pas une promotion, hein. Mais comment dire, nous offrir l'opportunité à des gens qui ne sont pas capables de gagner ça dans le pourri là. Hein, nous offrir aux autres. Moi, je pense à une home. Justement. Moi, je pense à un endroit pareil. Nous avons des autres. Au moins, nous avons des autres aussi. Mais. Goutte-li et mange-li. Hein? Vous pensez, nous. Guirich ou même. M. Ramjaten peut suivre nous. Vous êtes capable de répondre tout de suite. Hein? Et que me persuadé que la case maman pour une de ce projet là parce que nous Global Rainbow pendant Covid nous distribuons à 2000 familles un food pack et ça l'effet comment il était facile oui vous connaissez que mettre dans le pack là il n'y a pas de problème exact et donc du monde qui a goûté plus au moins laisse la, ça c'est la contribution de la diaspora exactement puis retourne la case maman puis avouer qu'il saute pour maman exact. Dans Maurice exactement et moi je dire aussi que tout sales qui fait en Australie et un pourcentage là-dedans qui retourne à Maurice. Bien bon ça. C'est la philosophie de giving back. Yeah. Même ce qui est bien important. Mm-hmm. Et moi, pour saluer ça, je dis nos bons camarades Guirich avec Dananjay. Dananjay, yes. C'est un bon travail qu'ils ont fait là. Toujours penser qu'on me dit, je connais le cas, je vais faire déjà. Je disais que sacrifier, c'est ce qui me guide la vie. Et Kevin, mon complice, tout ce que tout le monde a réussi là, c'est un blessing si vous venez. C'est un bon travail que vous faites. Vous comprenez? N'importe qui bon travail fait. C'est une condition là. Quand vous pouvez aider les gens, pas tant non y aider. Of course. You are doing for God. You are doing it for God, not for that person. Là, bon Dieu, il finit mon compte là. Sans que vous connaissez, vous comptez peut créditer. Exactement. Et demain, vous avez une difficulté,
y a eu l'argent pour Dalo. Mm-hmm. Vous comprenez? Oui, genuine, oui. Man ka pareil. Mm-hmm. Et là, vous progressez aussi. Mon témoin dit, et que mon père soit dit, moi aussi, si moi, mon père gagne, mes enfants gagne. Moi, je fais l'expérience. Exactement. On peut dire, là, mm-hmm. Nil, mm-hmm. Nil pour gagner, ben bon travail que vous faites, mm-hmm. Nil pour gagner. Mm-hmm. Ou pour gagner, mais mm-hmm. Nil aussi pour gagner. Moi, je vis ça avec mes enfants, mm-hmm. Mon expérience. Mm-hmm. Vous réalisez où, à le don, c'est ça qui me tient content de mettre l'enfant de ce point-là. Nous, mm-hmm. tout, quand nous dansons la vie là, mm-hmm. vous n'avez qu'à l'engagement également, mon point, moi, pour la vie sociale maintenant. Quand on retire, on rentre dans Global Rainbow depuis là, 60 ans, mm-hmm. on même fait un pledge avec mon Dieu. Ok. Hein? Mm-hmm. Mon Dieu, toute l'année qu'il y a de moi après 60 ans, mm-hmm. vous donne nous dit, servis-moi pour me servir au ben du monde qui est en difficulté. Ça, l'engagement là, on prend. Mon Dieu, pour continuer sa mission, servir l'humanité jusqu'à dernier soupir. Mm-hmm. Ça, mon mission et ça, mon philosophie de la vie. Mm-hmm. Et bon Dieu qui garde moi en bonne santé, mm-hmm. bon Dieu qui guette moi bien parce qu'il connaît mon besoin de travail là. Tous les jours, nous lève avec un sourire. Absolument. Okay. Et bon, là, nous avons la case maman qui répond. Il dit justement ce qu'il vous peut dire là. La case maman aussi, elle a une fondation pour faire exactement ce qu'il vous peut dire là. Ah, bien, super. Retourne ça. Super, je suis bien content. Je félicite Dieu. Hein, merci beaucoup. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Madame Tei. Carriorite super bon. Donc, nous. On peut donner l'idée, Madame Tei, pour faire de la case, maman, pour dire. Ou de, l'idée, ça, il faut une partie intégrante de toute la case. De toute la case, je viens de la case, maman. Fait de ma goût. Ouais. Et nous continuons avec nos volets de questions. Hein. Monsieur Amougam, c'est un petit dialogue, oui, effectivement. Depuis tout, moi, je vais mettre un petit dialogue avec un grand. Comment ou pour essayer extraire maximum. On peut dire moi je fais un grand dialogue moi. Un petit dialogue dans l'engagement oui, local. Oui, moi essayer extraire maximum information, maximum comment vous dire connaissance avec vous parce qu'il y a une encyclopédie vivante qui devant moi. Donc moi essayer faire mon maximum. Avec beaucoup de plaisir Kevin, mm-hmm. on a accepté pour mm-hmm. nous faire ça mm-hmm. et moi pas aucune contrainte. Mm-hmm. Le sou nous capable cause autant. Hein? Yes, yes. Et moi aussi invite tout. Mm-hmm. Hein? Et invite tout. Mm-hmm. Et nous avons une visite centre Global Rainbow Foundation. Vous pouvez venir avec plus grand plaisir. Vous pouvez nous travailler. Vous pouvez venir avec plus grand plaisir. Moi, j'ai l'occasion. Derrière, moi, j'ai une question qui vient par rapport à Global Rainbow Foundation. Ouais. Parce que nous terminons nous l'émission avec ça. Mais, moi, je suis les médias. Je connais ce qu'ils ont fait, je trouve mon résultat de mon travail qu'ils ont fait et les faire vraiment chaud au cœur pour avoir mon résultat. Ce sourire qui nous gagne, mon dimanche de figure quand ils ont gagné aide à travers GRF. Et nous vous gagnons l'occasion que vous avez là, parce que vous avez terminé ça, tu veux les oui, questions oui, là. Oui. Tu déjà fini d'y aller là, mais mon envie un petit peu plus détail là-dedans. Parce qu'on mentionnait qu'on rentre dans la politique vraiment jeune, vraiment, vraiment jeune, pour être ministre à l'âge de 31 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais là, Zo, disons, valeur du jour, il y a beaucoup de zen qui suivent nous, beaucoup de zen qui ont des convictions politiques, ils ont appris political science, ils ont fait la politique dans n'importe quelle affaire qu'ils ont fait en ce moment, ils ont envie d'intégrer la politique active. Est-ce que ça manzène là, vous êtes capable de bénéficier ça man poste constitutionnel là comme député ministre sans qu'il comment dire vous donne casse dans le sens qui comment tu peux dire t'allais là et moi aussi maintenant ça besoin 5 millions avant pose la table pour nous capable être candidat. Est-ce que si pendant ça pas pour capable faire politique monsieur Mogam? Moi triste pour dire hein, mm-hmm. qui comme on guette évolution nous commencer 82 moi dire où mm-hmm. nous pas dépense casse. Mm-hmm. Right. Population de sort, you know, 90. Mm-hmm. Mais maintenant, nous connaissons comment il était. Mm-hmm. Livré que cette situation-là, elle est là, elle est réelle. Vous comprenez? Mm-hmm. C'est tout l'argent. De plus en plus, nous peut servir de l'argent pour faire politique. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle money politics. Money politics. Yeah. Vous comprenez? Mm-hmm. Et donc, forcément, tout le monde candidat pour besoin faire des efforts. Mm-hmm. Mais ça fait donner l'argent pour gagner vote, vous pouvez acheter conscience du monde. Vous comprenez? Mm-hmm. Et ça, c'est condamnable. Vous comprenez? Mm-hmm.
dit moun bien capable venir voter avec sa liberté. Il a un droit de vote qui est sacré pour lui. Quand il rentre dans boîte dans urne pour aller voter, lui avec sa conscience, il était pas ça qui peut le voter là, dit moun là, vaut sa confiance là. Mais si vous mettez l'argent là-dedans, vous comprenez? Et il détourne tout. Mais c'est la même cause des élections qui va nous dire qui gagne pour me dire dans ce cas là, mais c'est ma carte à voter, prends une photo pour nous guetter ce patron vraiment voter comme ça. Ça aussi c'est la cause. Vous comprenez? Pour ce cas gagne, comment de sortir gagne de ce cas gagne de billets de 1000. Alors donc, moi dire ça, une anecdote là qui peut dire qui malheureusement, si vous avez connaissance de cause, là, si vous avez une casse, vous n'avez pas 40 de la politique. Mais, monsieur Amougab. Litrice. Allez. Il y a l'encontre de la démocratie qui nous la guerre pour gagner. Tout à fait. Hein, aujourd'hui, vous connaissez combien de gens d'enfants misères, moi, je ne réussis pas de la politique. Sans qu'ils me prennent l'argent, je donne du monde à votre moi. Exactement. Je vais servir l'exemple même. Oui. Si nous visons l'argent pour faire la politique, comment on peut dire, malheureusement, les comme ça aujourd'hui, les pas parce qu'on dit, nous prendre loan pour faire nos campagnes. Après, quand nous rentrons dans le Parlement, nous visons retourner ça loan là. Pareil, tout loan là, nous prenons l'argent là pour nous payer nos loans. Exact. D'accord, là, hein, mais ça, malheureusement, finalement. Et nous retourner en forme contrat, népotiste, etc. Mais valeur du jour là. Est-ce qu'il y a des autres caractéristiques qui, comme on dit, sont capables, enfin, en d'autres mots, qui manquent caractéristiques actuellement, qui nous visent pour nous capables de venir un politicien, par exemple? Apporte ça, des affaires qui nous fait causer, là, money politics. Oui. Moi, mon corps, mon Aurélien encore, mon jeune, mon courageux de faire la politique. Je donne plusieurs conférences. Gandhi, même une cause avec mon étudiant, comment j'ai besoin service de connaissance, vous êtes service de pays. Vous comprenez, nous bizarre manzen parce que vous êtes qui pour prendre relève après. Et si nous pas formes, vous êtes nous pas intérêt. Vous connaissez beaucoup manzen qui n'aiment pas prendre la politique parce qu'il est sale, etc. Exactement. Moi, je suis pas trop d'accord pour dire aux autres qu'ils ont besoin de rentrer pour empêcher les sales. Voilà. Moi, si je fais politique, moi aussi, je me contenir, moi. Vous comprenez? C'est pas politique qui sale, c'est pas une zone qui fait les sales. Exactement. Alors, vous ne pouvez pas faire une politique noble. Vous ne pouvez pas faire les seulement si on a la foi dans Dieu. Parce que quand on a la foi, ou pas pour vous payer mon Dieu, ou pas pour faire affaire compte. Vous comprenez? Ou pour servir au pays, servir Mandimouna. Et en retour, on a beaucoup à gagner. Alors, ça qui Mandimouna n'a pas réalisé, parfois, de devenir, de quoi, besoin de gagner tout, mal de choses, etc. Et l'autre petite chose qui est besoin dans la politique, ou un serviteur de la population. Je ne vote tout. Si je ne vote pas, je ne vote pas député, je ne vote ministre. Exact. Mais c'est moi, quand on finit, il n'y a pas déclaré. Mais moi, je pense que c'est un travail, c'est un métier, non? C'est une vote, nous, oui, pour représenter d'autres là-bas, mais c'est un métier, ils n'ont pas fait une faveur. Exactement, exactement. C'est pas une faveur, ça. Mais bien souvent, moi, je veux dire que la population aussi, nos populations aussi, bien éduquées par rapport à ça. Faudrait pas qu'il y ait nos populations, chaque fois que je suis un député, qui m'a gagné, moi? Je gagne, c'est même cool. Oui. Ou dans l'endroit, peut causer que 10 monde, explique que grand vergueur posé, qui nous peut faire pour gagner l'emploi? Et là, il y a moi qui m'a pour gagner là-dedans. Ça, oui, nous sommes capables. Il y a aussi côté la population lui-même. Oui, oui. Right? Il y a besoin de discipliner, il y a besoin de comprendre, il y a besoin d'un sens de patriotique. Quand on fait la part des choses, pas de gros d'emplis, nous pouvons augmenter les affaires. Et après ça, nos enfants qui peuvent venir après, qui droit moral nous est pour mettre une dette le Nil, par exemple, et que les autres enfants qui peuvent. Les enfants qui peuvent naître, quand ils naissent là. C'est pas 400-500 000 millions de dettes sur la dette. Regardez-vous. Exact. Comment allez-vous dire 450 000, ouais, exact. Mais quand nous disons tout ça là, M. Amougam, si Manzen, je trouvais qu'il n'y a pas 42 politiques là à cause de la classe, est-ce que nous prenons une dégradation de la classe politique si, comment dire, ce système-là n'est pas changé? Nous pouvons tout le temps. Et dans ce type de culture money politique, ça. Moi, je dis, malheureusement, as it is now, il est là. Mais moi, je souhaitais, moi, espérais qu'il prenne une évolution, que ces affaires-là soient capables de diminuer drastiquement. Right? Il y a tout un changement qui est bizarre. Et bien, je suis capable de faire des cas de rentrer.
Vous comprenez? Mm-hmm. Et si nous, si nous avons l'équipe, on connaît plusieurs parties, une série de levées, mais je n'ai pas qu'à continuer plus que ça, parce que même dinosaure là, pas pour les autres monter, vous comprenez? Mais s'il y a une renaissance dans la politique, mais la population a un rôle là-dedans. Si la population soutient mon politique, et qui vous faire? Vous pouvez comprendre que vous dire aussi, si les politiciens mènent casse de nous autres, et les autres influencés par ça, une partie, une jeune ou n'importe qui, un groupe politique qui peut refaire propre, refaire dans la responsabilité, mais ça peut toujours désavantager. Alors là, il y a un rôle important de la population. Et aussi des bandes politiciens, je veux dire qu'on pense aussi, mais si la population condone ces affaires-là, qui vous pouvez faire des bandes? Pas pourquoi pas. Des complexes, ça ne concerne pas trop une réponse. Non, justement. Facile pour dire oui, non. Justement, moi d'accord avec vous. Mais quand nous venons, nous pécouons la population, nous visons qu'on donne ce type de traitement là. Mais vous connaissez que nous populations, nous vivons dans un système que nous perdons répression, nous perdons si nous perdons un travail qui arrive nous pousser manger. À la dernière année, nous trouvons que. C'est la politique qui influence la population pour agir comme ça. Ouais, ouais. Parce qu'il est arrivé tout d'abord, mais pas casse-tête comme on vient au pouvoir, mais on vous donne toi ça. Ouais, ouais, ouais. Mais sa culture-là a évolué. Oui, oui. Non, ça, moi, d'accord avec vous. Qui population aussi, comment dire, ben politicien, gâte sa situation-là. Comme on dit, au 90, nous ne passons plus de nan, ben dit, vous ne pouvez pas ça. Exact. Vous êtes très bas, vous êtes même couille manger, donne gazon. Après, graduellement, vous êtes à ce moment-là, drastique. Maintenant, ou pas capable? Pas capable. Zodi, moi, j'ai l'impression qu'il nous traite man politicien next to God. Et man politicien, c'est un man traitement que comment dire, quand je devine une place, nous visons, mon remarque ça, et n'a pas même touch the feet. Mais c'est je devoir au fait quelque part. C'est une médiocre là-bas, oui, pour représenter la société, mais c'est je travail. Mais là, quand me donne population tôt, c'est nous population. Qui peut traiter banna comme a dit je dois un trône au fait quand je dis man serviteur de nos sociétés. Mais oui, d'accord avec vous, mais vous connaissez même un politicien, moi le fait qu'écouter là récemment un ministre vient dire un blasphème pour moi ça hein, ou dire nous pays peut diriger par Sivadi. Sivadi ou quoi dire grand patriote grand patriote pour Maharashtra. Est-ce qu'il vous demande une cause qu'à causer ça hein? Est-ce qu'il y a une cause pour nous dire ça? Vous connaissez comment blasphème s'il va dire? Vous comprenez? Comment dire ou dire Bougla bon ou dire lui? Mais vous n'êtes pas capable de faire ça. Et vous n'avez pas le droit de dire ça, vous comprenez? Il répétait au fait, ça m'a un type de ça m'a un type de parole qu'ils ont dit, vous attendez une certaine fête ou activité sociale. Ça aussi, moi, vous avez dit, moi, totalement pas d'accord du tout. Qui m'a dit. Il va le polluer, ben, fait. Là, récemment, là, il y a un dîner pour il. On a un discours. Mon temps, discours. Qui me fait. Moi, pour citer que ça, on va vous rendre compte de ça. Yeah. On a un discours, là. C'est une plateforme pour cause ça. Id, c'est quoi? Nous pouvons célébrer un grand événement spirituel. Quand sa population musulmane, il fait sacrifice. Sacrifice. Aztec a fait un dîner pour Marx, la fin de, de Carême, où vini ou donne une dose politique musclée, right? Et que ben attaque l'eau là, mais il n'est pas correct du tout ça. Vous pouvez comprendre, bizarre arrêter ça. Et là, ben, une société qui vient contrôler ça. Ben, une société qui invite du monde là, nous venons pour telle fête, nous venons pour un meeting. Mais c'est mon chef religieux qui nous vient. Chaque organisateur, il vient prendre son responsabilité. Hein, ou pas capable de faire pareil. Hein? Vous croyez que moi, il dégrade la société. Oui, tout à fait. Moi, je suis mal à l'aise. Moi, je ne mange pas si vous désirez là-bas. Je m'entends beaucoup dire que to change the system, we need to be in the system. Moi, j'ai l'opinion un peu différente. C'est ça qu'on appelle pression populaire parfois. Oui. Qui fait nous besoin d'un système pour s'en rendre un système. Pas un dialogue ou pas penser nous capables, mais si bien sûr, je suis content de servir ça mot-là. Si nous avons un dirigeant, un decision maker, qui écoutait instead of tendait. Absolument. Ouais. Ouais. Donc, parce que, comment dire, nous avons une situation que nous pouvions faire, c'est que nous trouvions quelques semaines de cela. Mais je pense que le dialogue, peut-être. Dialogue bien important dans la politique, dans la vie même, généralement. Hein. Vous avez même good management, vous avez un dialogue. Vous avez écouté.
Right? Mais si vous pas écouté, vous dites au contour même. Vous faites ce que vous envie. C'est pas correct. Vous êtes distant, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté avec l'équerre, vous comprenez? Et vous avez une compassion. Un dirigeant de pays, vous avez une équerre. Vous connaissez, nous avons adopté dans Global Rainbow Foundation une santé qui préférait de Gandhi, Vaishnav Janto. Que le Dieu est Vaishnav, il peut feel the pain of the person. Il sentit cette douleur qui dit là, il y a de l'yap. Et là, nous avons une question. Est-ce qu'il n'est pas important, une question de Simla, est-ce qu'il n'est pas important qu'il nous ait une diaspora et qu'il y ait des gens qui sont capables d'aider nous à faire une campagne électorale qui est capable de permettre un gouvernement for the people, un gouvernement for the people? Non, tu peux certainement une contribution importante. Parce que, à part money politique, bribe des gens, ou besoin casse pour faire campagne. Oui. La logistique. Définitivement. Il y a tout ça là, au comprend, et à ça, il y a un coup de plissère. Alors, si la diaspora. J'ai besoin de décider si je trouve un candidat, un parti qui croit là-dedans. Vous comprenez? Et ça, c'est un parti qui peut émerger aussi. J'ai besoin de donner sa confiance là. Vous comprenez? Finalement, une phase dans l'histoire du pays, quand finalement, il semble drastique dans le gouvernement. Vous comprenez? La population prend sa décision. Nous prenons l'exemple de l'année. Comment dire? Quand la population prend décision. Et la population, moi, je crois que la population mauricienne, elle peut prendre sa décision. On parle pour prendre cette décision parce que quand on peut dépasser les bornes, bon Dieu si pour corriger ça. Vous comprenez? Alors, mon pensée, tout mon excès qui est là, vous besoin arrêter et vous besoin deal avec ça. Et c'est nous vais clore ce chapitre au niveau politique là maintenant parce que là, nous entame et que nous vous terminons là. Why GRF? Why Global Rainbow Foundation? Voilà, mais une bonne question, Kevin. Hein? C'est ça, ça qui me guide moi. Vous connaissez, dans mon avis, il y a une phase. Right? Alors, je tiens 4 ans en enfance, je fais 14 ans en éducation, 14 ans comme professeur, 14 ans comme ministre, right? 14 ans international, ok? Et je arrive 60 ans. Et là, il y a une phase 14 ans. Mais la vie, il y a 14 ans. Ça 14 ans là, il y a une autre phase pour moi. Et volontairement, je me rends dans sa mission que je vais faire aujourd'hui. Là, je vais dire où. Pour réaliser que ça, c'est pour quitter tout le bénéfice matériel qui est là. Hein, et quitter tout ça là. Je vais vivre dans ma pension. Right? Moi bien, je vais dire. Parce que je ne peux pas être un bouc extravagant. Vous comprenez? Je sens mon mode de la vie, je suis plus gandien dans sa phase de la vie. Là. Et donc, là-dedans pour moi, qui fait DRF, alors quand je retire, comment je peux réfléchir, qui je peux faire? Et je fais beaucoup la prière. Vous comprenez? Je médite bien, what next? Je prends un an de réflexion. Mais avant un an même, l'idée est venue. Et ça, c'est mon call, divine call, je m'appelle ça. Vous comprenez? Et finalement, des raisons qui amènent ce déclic-là. Un, mon parcours qui m'a fait, glorious parcours qui m'a fait dans ma vie, quand je suis sorti, quand je suis ça, je finis un sens de gratitude envers Dieu d'abord. Et tout le monde qui est associé avec moi. Là, je dis, bon Dieu, vous connaissez mon temple quand je suis dans la cour. Hein? C'est moi la fosse. Right? Je suis consacré temple-là quand je suis 40 ans. Je suis encore ministère. Et donc, quand on get ça parcours là, je dis bon Dieu, je suis vraiment grateful to you pour ça la main invisible qui nous blesse moi, on amène moi quand je vais aller. Aujourd'hui, je dévoile dans sa quatrième, cinquième phase de 14 ans là, cycle de 14 ans, I have to give back. Là, je lance ça, je coin ça, je giving back. Et là, je lance, et Global Rainbow, c'est un bébé qui naît. Le 11 novembre 2011, une date qui m'a choisi et tout. 11-11-11, bébé là né. Il a 10 ans l'année passée, il fait une jolie petite fête pour lui, malgré le Covid. Et sa fondation là peut continuer à rayonner. Alors c'était le channel pour moi, pour capable de serve humanity. Voilà, voilà why DRF. Parce que vous avez un instrument. Of course. Hein, comment vous faites autrement? Et vous bien ciblé.
je ne ciblais pas une personne handicapée parce que je suis des plus vulnérables qui là-dessus. Si nous pas donnons autres dîner, et nous pas donnons autres. Et la loi qui nous a amené pour autres, donnons autres dîner. Un grand pays comme l'Inde, depuis 2016, il amène sur la loi pour protéger les handicapés. Maurice, nous ne pouvons pas faire. Oui, c'est un autre combat qui nous permet. Alors donc, DRF, dans l'avant-garde, pour assurer que dans nos sociétés, peine à exclusion. Vous savez combien de monde handicapé exclure, combien nous peut réhabiliter. Alors donc, pour moi, DRF, c'est l'espoir. Nous avons un projet qu'on appelle Hope Initiative. Alors moi, ça, tu m'as dit hier, Belle Rose, là, Maïbou. Les enfants là, perdent net, et ce parent-ci. Quand on vous donne ça, 16 motorisés à travers un projet Hope Initiative. Vous connaissez comment ça pour les enfants là pour mobile, ils parlent partout. Alors, l'espoir, DRF est l'espoir. DRF, quand vous venez, je suis bien content qu'on peut dire encore bienvenue. Quand vous venez contre nous, vous êtes un peu vous-même. Nous faisons l'honneur d'avoir une visite à l'ambassadrice Len. La semaine dernière, nous avons une visite au commissaire britannique. Vous réalisez un ambassadeur, il rend une visite, passe désertant avec nous, et sorti là, ému, quand il trouve qu'il ne peut faire. Vous ne comprenez pas comment on peut dire là. C'est ça, DRF. DRF, c'est la compassion, c'est servir. Et mon équipe, moi, quand même, je suis bien content pour dire mon équipe, toute mon équipe. Vous êtes là, avec ça, l'amour pour servir, là. Avec sa compassion. Là. Un vrai DRF, c'est un vrai serviteur des bonnes personnes en situation de handicap. Et so far, combien de monde autrement capable ou un récit mettre un sourire dans cette figure? Je pense au moins 5000 depuis qu'il nous a au moins 5000, un ban directement nous tous autres, indirectement aussi. Mais pas Maurice maintenant. Yes. Vous connaissez Kevin, mon, parce que vous connaissez moi, qui fait mon appel Global Rainbow Foundation. Global. Parce que je me servis au niveau international. Je suis world citizen. Vous comprenez? Et quand, dans mon pays que je me servis, je suis allé, je fais un devoir avec Global Rainbow, je suis allé là-bas. Je suis allé au Sénégal, je donne 200 amputés, prothèses. Je donne 200 étudiants de l'université avec une canne blanche pour être servi. Vous pouvez comprendre? Et l'Inde maintenant, je crée un bureau dans l'Inde la semaine dernière. Je vais faire une tournée dans l'Inde maintenant. Je crée un bureau Global Rainbow Foundation dans l'Inde. Delhi, Chennai et bien d'autres places. Parce qu'ils m'ont envie de partager autant que je suis capable. Vous connaissez, on a beaucoup de réseaux. Si je suis capable de servir ce réseau-là pour être 10 personnes, vous n'êtes pas prêts à sa connexion. Là. Vous ne comprenez pas comment je vous dis, sa connexion qui m'a là, je ne pas les perdre. Je vais aller comme je fly, après qu'on a relais pour mon fly léger, je quitte tout ce qui est capable ici, je vais aller là-haut tranquille. C'est un mot très encourageant, très pertinent même, je vous en dire, parce que. Ça peut sortir, mon fil est sorti direct dans l'équerre. Et que je trouvais pour faire ce que vous pouvez faire là, nous avons une humilité extraordinaire. Ou bien, je ne vais pas affirmer, mais je pensais même après qu'on décide pour faire ça parcours là, ou une gamme de proposition pour peut-être donner un coup de main au niveau politique, ou bien même join. Mon parti qui est plus brisé, mon pensée ou ne refuser. Définitivement. Si mon parti refuser, moi tu boude en Parlement. Exactement. Hein, moi tu boude, moi tu fais politique. Vous voyez, c'est pas moi tu boude en Parlement ou non, mais mon pas un candidat 2014-2019. Exact. Et moi bon, candidat. Vous voyez comment on fait une déclaration publique. Moi un homme d'honneur. Si mon dit une parole, parole donnée, parole sacrée, il est appliqué pour moi. Moi tu apprends ça avec Boudou. Dans nos meetings, nous disons des paroles données. Ragu kulari tsada chali aye, pran jaye par vachan na jaye. Moi, je apprends ça. Et là, après qu'il nous passe un passage au parcours, hein, nous faisons le tour d'horizon avec tout ce qu'il nous dit là. Et ce qu'il nous peut faire, moi, besoin de dire qui nous peut sauvegarder l'histoire en ce moment-là. Right now, pour nos futures générations ou même ma génération actuelle, qui connaît un peu plus ce qu'ils vont faire, que ça qu'il y a un petit peu dans le plus grand format.
Et si vous permettez, moi, je vais dire une affaire. Pas qu'il me compte la politique, hein. Pas dire, moi, je vais pas le faire politique partisane active. Je finis de faire. Mais je vais montrer parce qu'il m'a fait Global Rainbow. You can serve the people without having the post of a minister. Yes. You know, ça qui est important là. Et qui fait bien du monde comprendre qu'il nous a servi sans qu'il nous attende quelque chose. Exactement. Et que je pense, de par ma position qui nous held during your professional journey, plusieurs pays, je vous dis, vous pouvez remettre ça dans la main sociale encore. Oui, ça veut dire que vous pouvez servir ça, mon contact, mon connaissance. Absolument. Et ma dernière question pour vous. Dernière question, qui vous souhaite pour l'île Maurice? Je suis content de mon pays, Kevin. Je suis né ici, je suis fier de mon pays. Et c'est un pays extraordinaire. Hein? Nous sommes sortis d'un moment de colonie. Nous vivons dans un pays indépendant. Nous vivons une république. C'est un pays qui reconnaît dans le monde. Vous connaissez mon travail au niveau international, qui est la Banque mondiale, qui est l'UNESCO. Mais quand on cause Maurice, je suis accueilli. Vous pouvez comprendre? Alors, tout ce qui m'a prié, nous fait la prière, la prière tous les jours, et me demande toute la population mauricienne, et nous, mes frères et sœurs, diaspora, qui sont pour eux les plus difficiles, parce que je suis à l'extérieur, je peux get ça à distance. Je ne peux pas contribuer directement dans ce sens-là. Quoique je peux avoir avec mon élément, mais directement, je ne suis pas là. Mais tout ce qui nous peut dire, nous prier nous tout pour qu'il nous paye. Un pays qui est croyant, nous prier pour qu'il bon Dieu tienne-nous dans nos mauvais chemins qui nous étaient, al da bon chemin, et réamène la lumière dans la famille mauricienne. Refaire nos pays rayonner, et c'est ça mon la prière, c'est ça mon souhait, et me demande toute la population mauricienne, à Maurice Rodrigue Agalega, et aussi dans la diaspora, laisse-nous tous ensemble gagner un moment de prière pour nos pays, mon pensée. Ça pour bien exaucer, Enzo pas Enzo, bon Dieu, jamais pas, dit pas comment dire, délaisse nous. Merci beaucoup, monsieur Omogam. Mais juste avant de terminer, je suis content de dire que tout ce qui nous causait, nous dire, moi, je suis content de trouver en réalité, pas juste sans packaging, même produit. Ouais. Donc, ce qui me veut dire, c'est que si demain, nous n'avons pas pour. Ma décision maker émerger, pense vraiment l'avenir nous enfants. Absolument, vraiment. Absolument. Nous avons un devoir sacré, ça. Pas juste nous enfants. Ouais. Enfants nous pays. Nous enfants nous pays. Parce qu'il y a des gens qui disent enfants. Moi, tu fais que dans l'Inde, là, il y a une grande personnalité, l'Inde qui est un politicien. Il en sort d'une grande université, 46 000 élèves l'université. Vélo sur la technologie. Okay. Vous connaissez qui dit? I'm born not to serve my four sons. I'm born to serve society. Il met ça clair comme ça. Et il donne ce bon aux enfants, les sons que moi pour faire. Pas expect moi dire pour gagner tout, mais I'm born to serve society. Vous réalisez où? C'est ça qui nous besoin là. Non, c'est. Et moi crois, moi pour dire Kevin, moi la foi dans mon Dieu. Moi crois, il pour écouter nous l'appel. Hopefully, parce que moi en tant qu'un jeune, moi j'ai envie de trouver comme ça et que. Mon envie qui l'avenir nous mêmes enfants les continuer fleurir à Maurice. Absolument. À Maurice, absolument. Et qui banna apporte cette expertise, cette n'importe qui affaire, cette capable apporter retourner dans le pays que nous. Moi connais beaucoup de Mauriciens qui à l'extérieur. Je suis content de Maurice. Ouais. Mais vin Maurice pour gagner discrimination. Exactement. Hein? Vin Maurice pour pas une reconnaissance. Je peux faire ça à l'extérieur. Exact. Et vous pas pour dire non. Vous comprenez? Si je peux venir pour venir servir votre pays ou reconnaître votre ou donner votre l'occasion, d'après votre compétence, mais si vous venez, qui s'en est pas content ce pays? Exactement. Et Maurice, c'est un paradis. Non? Mais j'espérais qu'il me connaisse cette interview-là, cet entretien-là, il est en live d'ailleurs, et qu'il y a beaucoup de monde qui get li, qui pour greguer li, qui pour partager. J'espérais tu sais qu'il nous dit, ben, on est capable d'écouter li et de mettre li en pratique, surtout mon decision makers. Et là, il y a une affaire importante que je suis content de dire. Je redis encore, nous bien besoin de nos jeunes pour rentrer dans la politique. C'est eux qui amènent ce changement-là. Et moi, en toute modestie, je suis capable, comme on partage aujourd'hui, je suis capable, je fais d'ailleurs, beaucoup de jeunes qui aspirent à la politique,
get moi mon guide zot, mon mentor zot un petit peu, et mon capable partager zot sa vision politique là. Et aussi donner zot un exemple et success story. Of course. Du monde qui pas perdu aucune élection. Vous comprenez? Comment on va perdre l'élection village council, district council, député quatre fois? On va me poser, moi. Ça veut dire qu'on va perdre aucune élection. What is the secret? Vous comprenez? Qui recette ça? Pas bon ou dalle pourri, ça. Qui recette qui est là là-dedans? Ça, moi, disposé de partager. Ou vous permettez nous si demain, nous sommes capables de venir faire un autre entretien ou cause uniquement là? Absolument, hein? Absolument. Ou recette pour un. Voilà. Successful politician. Absolument, oui. Avec beaucoup de plaisir. Et les pour non-partisans, of course, of course. Comme vous devez, comme une cause en général. Tout à fait. Mon factuel. Exactement. Hein? Et que c'est ça qui nous aussi nous paye, c'est faire. Et c'est montrer ça équilibre à ça. Et qui sont aussi des paiements de haut calibre qui ne côtoient, me penser, plusieurs partis politiques. Ils ont une conne, tout ça, man leader, ça. Ou que une grande personnalité du monde. Exactement. Hein? Mère Teresa. Mère Teresa. Qui me touche moi. Vous connaissez, mon assis à cela, ça s'appelle à côté lui en balle au sol dans l'église en 94, mon prier avec lui. Moi bien, moi hindou, mais mon chose bien universelle, moi. Open. Mon joint le pape Jean-Paul II, Saint Assai Baba. Et plus je m'en des autres gourous qui me touchent moi et qui peuvent donner moi d'autres blessings, Zoro d'ici, Valère du jour, et tout ça qui inspire moi. Donc, le sabbat de Mola. Merci beaucoup, monsieur Omougom, pour ce ramène. Ça me fait un grand plaisir, l'honneur, pour partager ce petit dialogue-là avec vous. Nous goûtons une petite affaire en même temps. Mais comme le principe de notre dialogue, nous ne pas retourner la main vide. Et que nous aussi, nous amènons plusieurs affaires, enfin, en particulier depuis la case maman, bien sûr. Et pour madame Théi aussi. Nous commençons pour me remettre tout un chill. Merci. Merci, mon chéri. Une perce sous. Car maman, il s'est mis au salut entier, mais qu'est-ce que vous êtes quoi de l'été? Maurice. Non, au non. Fait, à Kuapip. À Kuapip. À Kuapip. Et puis là-bas, l'Australie. Melbourne. Là-bas, Melbourne, il gronde tout là-bas. Yes, à Melbourne, yes. Yes. Donc. C'est un, si vous guettez bien, c'est un chill en forme logo La Case Maman qui nous fait cause Maurice là, hein? La Case Maman, Marc Maurice. Ouais. Donc, nous avons ça. Super, merci, hein? Merci. Vous mettez ça dans mon bureau. Ah, merci. Hein? Comme ça, les beaux. Plaisir. Nous pouvons avoir un, bien sûr, nous fait cause manger, nous fait cause man produit, nous avons un. Tablier la case maman. Et que faire goûter. Là où comment faire la cuisine là. Bien sûr. Allez, ouais. Et que nous avons une série de produits la case maman. Pourquoi ça dit qui prépare sa bon carré au là où permettez-moi de vous donner ça. Bien sûr. Bien sûr. Si nous sommes capables de payer. Bien sûr. Voilà, tu as un cadeau la case maman. Comme ça, tu as fait un autre bon carré. Qui carré ou le coup là? Ah oui, c'est ce que vous dire. Voilà, tu vas mettre l'autre là. Hein? Carré poisson braisé. Ah oui. Qu'est-ce que c'est un ticket ici? Là, voilà. Et vous venez un guide pour caméra pour vous. Là, un bon. Merci beaucoup, madame Théi. Plaisir. Après, bon, bien sûr, nous avons plein de produits. Si vous comptez un petit boulette. Donc. Ce sont des produits-là, available dans le local de tout supermarché à Maurice. Super. Donc, de tout supermarché. Oui. Dans ce. Section. Vous êtes bien une section la calme maman. Vous pensez, oui. Vous êtes maintenant, vous êtes une section la calme maman. La calme maman. Dans Mauritius, mais la calme maman pour être intéressant. Exactement. Créez ça slogan là. Ça, un slogan là. Ça étiquette la calme maman. La calme maman, Mauritien avant tout. Ouais, ouais. Donc, nous avons plusieurs types de boulettes boulettes veg, boulettes kebab, boulettes poisson salé. Maman, salade. Nous avons une farata locale, une farata. Et que, bien sûr, dalle pourri, dalle pourri qui on a l'occasion de goûter. Et que, voilà, nous amenons dans ce pack pour vous. Tout ça là, vous pouvez faire moi là? Tout ça là, vous pouvez faire, bien sûr, en guise de... Merci, au contraire. Hein. Un remerciement. Donc, j'ai besoin de dire à tout le monde de famille qui... Monsieur Omougom Pasouramen,
Il a une riche carrière au niveau professionnel, commencé en tant qu'enseignant, président Village Council, député, ministre, directeur à l'UNESCO, UNESCO directeur, directeur, Senior Advisor World Bank. senior advisor World Bank, et même décoré par le gouvernement de Le gouverneur de Tamil Nadu, Tamil Nadu. honoris causa. Et à Maurice, est-ce que vous êtes décoré? Je voudrais remercier Dr. Navin Ramgoulam, Yes. qui reconnaît mon contribution d'une façon non partisane. Et c'est lui qui me donne moi JOSK. Et Wow. mon reconnaissant parce que sa titre là, il est tout sous. Et mon plus content, c'est lui qui reconnaît moi parce qu'il dit, pas si moi, il est mon parti, qu'on connaît, mais lui qui apprécie mon Ah, au juste contribution. valeur. Mon juste valeur, il me donne sa titre là, qui m'a bien, bien content, bien apprécié. Donc, famille, vous avez dit, merci beaucoup, vous êtes suivi nous tout au long de cet entretien-là. Ça nous fait nous vraiment plaisir pour lire tout autrement de commentaires et tout autrement de questions. Nous prenons l'occasion, gagnons encore man, les autres intervenants pour partager man petites histoires, pour comment dire, nous, man, génération future capable de témoigner. Et que là, ce qui nous peut faire, nous peut juste record une partie de l'histoire. En ce moment, et je vous dis à tous merci. Donc, sur ce, je vous dis à tous bon appétit si je peux passer à table. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'autre émission. Monsieur Amougampa Souramen, merci beaucoup. Merci bien, merci Kevin, et merci à toute la grande famille mauricienne, diaspora, Maurice, Roderick, Agalega, qui peut écouter nous. Je suis bien content et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie. Et God, rappelle qu'il m'a dit tout à l'heure, nous tous, faites un appui spécial. Pour nous jolis pays, nous jolis la case maman, nous Maurice, ça va Exactement. Continuer à rayonner et continuer à donner nos bons enfants l'espoir pour un bon avenir. Merci. Donc, merci beaucoup et continue de suivre page la case maman, le Facebook, page Faire Goûter pour nos prochaines lives. Sur ce, merci beaucoup famille, bye bye et à la prochaine.